Pour la maison, ça va se modifier. On a calé le recrutement, ça s'est aidé dans l'argent de conseil technique. On travaille avec Tristan, on accueille une hyper colorée régulièrement. Nous, on fait de la chasse d'être sur des projets techniques, on fait des développeurs, des data analystes, des data architectes, des data scientists, des data engineers, voilà, sur tous les métiers techniques. On organise des meetups pour se rapprocher des communautés tech, rencontrer les candidats qu'on accompagne. On va aussi avec des startups, des pure players, des sites de e-commerce, des data labs, voilà, que des boîtes techniques comme Dailymotion, par exemple, BlaBlaCar, Doctolib. Et l'idée, voilà, c'est que vous passez un bon moment en structurant un buffet. Et puis Juliette, ma collègue qui est juste là-bas, est spécialisée dans le recrutement de data engineers et de data analysts. Ben, si vous voulez discuter avec elle des différentes offres que vous pouvez avoir, je vous laisserai vous rapprocher d'elle. Voilà. Excellent, super, super, merci. Et très très bon. Ouais. Merci beaucoup. Bien. Allez, bah, c'est parti. Vénus de Monte à Jean-Pierre. Bonjour. Donc l'idée, comme là, on fait la promo. Qui n'est jamais venu au Club Cormier? Mais c'est hallucinant. À chaque fois, on fait un peu de même. Ouais. Ça commence. Vous avez entendu parler du Club, j'espère que vous restez. Par contre, il faut qu'on s'inquiète quand même parce que les gens ne viennent pas. On a un gros routeur. Alors, c'est parce que justement, on va vous dire, notamment dans tout ce qu'on fait au Club Port VI, on est une association, on fait ça bénévolement, et l'objectif, c'est de construire la communauté et que vous vous échangez entre vous. On est là, évidemment, pour trouver des gens qui viennent partager leurs expériences, nous partager ce qu'on sait faire, mais l'objectif, c'est de construire la communauté avec vous. Et donc, les outils qu'on a à disposition, c'est évidemment Meetup, ce qu'on fait ici. Parce que pour construire une communauté, le mieux, c'est quand même de venir, de passer un petit moment avec un buffet, de discuter, d'échanger, etc. Mais néanmoins, on sait très bien qu'à Paris, c'est compliqué, potentiellement, vous n'êtes pas à Paris, etc. Et ce qui est ça qui ne fait pas venir les gens, c'est qu'on a aussi une chaîne YouTube. Donc là, c'est en live directement sur YouTube. Donc potentiellement, si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer, vous pouvez très bien suivre directement en direct, mais aussi en replay, puisqu'on enregistre. Vous pouvez le voir le lendemain, le surlendemain, et puis récupérer les différents éléments. Un forum de Twitter, etc. Enfin bref, on est sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, le but, c'est quand même de faire l'événement. Et on a oublié de mettre un petit slide. C'est bon le son. On a oublié de mettre le slide, mais évidemment, ici, on est à Paris, mais on a aussi on a Thomas de Lyon. Mais il y a aussi Lille, Nantes, Aix. Et puis pourquoi pas d'autres villes qui pourraient ouvrir. En tout cas, on est content de voir que Club Port VI a bien grandi depuis 2 ans. Alors, dans les news communautaires, on va focaliser sur un événement, mais on aime bien présenter aussi les prochains méthodes. Donc il y en a un à Nantes le 11 juin qui va parler de CSS BI et BI d'entreprise. Alors, il a déjà fait un sujet BI d'entreprise le mois dernier. Donc là, ils vont peut-être l'équilibrer avec un peu de CSS BI. Et ensuite, je vais focaliser sur les événements qui auront lieu mi-juin à Paris, qui sont le Power Saturday. Et on ne l'a pas mis sur les slides parce qu'on n'était que les 3 prochains événements, mais il y a aussi à Lille, le 20 juin. Et est-ce que tu connais les clubs par ailleurs, Christian? Si, c'est sur Microsoft Flow. Il y a un petit 365 qui interagit pas mal avec Power BI. Et des choses sur Power BI. Bon, voilà. En tout cas, celui de Lille aura lieu le 20 juin. On ne l'a pas mis sur les slides. Alors, on va vous parler du Power Saturday. On a déjà parlé le mois dernier, mais on va remettre mieux. Je trouve que ça approche, hein, c'est dans moins d'un mois. Le Power Saturday, finalement, c'est notre conférence un petit peu pour boucler l'année. Là, on est au dernier meet-up mensuel avant les vacances. Pour conclure l'année avec ce fameux Power Saturday, 2 jours de conférence, le vendredi et le samedi. Et je vais détailler un petit peu là-dessus. Donc cette année, on le fait en collaboration avec 2 autres communautés. La communauté data qui s'appelle le GUS, qui est plutôt sur les bases de données, les big data, l'intelligence artificielle. Et la communauté Office 365, représentée par AWS. Donc on s'est dit, on va faire, plutôt que de faire plein de petits événements, on se met ensemble, on fait un ensemble de conférences, et finalement, on vous offre un événement un petit peu plus large. Je vais détailler un petit peu les tracks, mais ce qu'il faut savoir, c'est avant. En fait, le retour ne marche pas, c'est ça qui est... Non, c'est bon. Ouais. Ça bug un petit peu. Alors, je vous dis, sur deux jours de conférence, comment ça va se passer? Le vendredi, c'est ce qu'on appelle les pré-conférences. Globalement, c'est simple, il y a 5 pré-conférences. On dit que c'est premium, simplement pour dire que payer, c'est payant. Ça coûte 150 euros, donc ça reste un prix communautaire, puisque on est une association, on n'est pas là pour
pour faire des bénéfices. Et l'idée, c'est de passer la journée avec un expert sur un sujet dédié. Alors, évidemment, il y a Power BI, sinon on n'en parlerait pas au club Power BI. Mais il y a d'autres sujets, on a 5 pré-conférences. Il y en a une sur Office 365, présentée par Sabine Chou, qui est experte sur les sujets Office 365, donc ça va parler de Teams, évidemment un petit peu de Power BI, de Power Apps, de Flow, mais aussi de SharePoint, de Skype, une question sur l'avenir de Skype. En gros, tous les services qu'on va trouver dans Office 365, l'idée c'est de faire un tour de tout ce qu'on peut faire quand on est une entreprise et qu'on veut tirer parti de Office 365. Évidemment, Power BI avancé, alors l'ordonnancement a fait que c'était par Tristan et Joël qui s'occupe du Tristan ici présent et Joël qui s'occupe du Power BI, du Club Power BI d'Accent Provence. Donc ils vont faire. C'est peut-être en parler deux minutes. Ouais, alors, voilà, je suis donc c'est une conférence. Alors, c'est une pré-conférence Power BI avancée. En réalité, ce sera plutôt, on va dire, Power BI intermédiaire, enfin pour des gens qui connaissent un petit peu Power BI. On passera la matinée sur Power Query. Les bonnes pratiques sur Power Query, comment bien nettoyer ses données avec Power Query. Et puis, je vous ferai aussi peut-être un petit peu de langage M, les bases du langage M, comprendre les listes, les fonctions, etc. Et l'après-midi, Joël s'occupera du DAX. Donc, comprendre les fonctions principales en DAX, la notion de contexte, la propagation de filtres, etc. À travers des exemples détaillés, avec des exercices, etc. Donc, on a dit la date. Le vendredi 14. Et nous, on a encore des places. Et il y a encore plein de places sur l'ensemble voilà, des places. Globalement, une vingtaine sur la tienne, il reste. Et il doit y avoir une dizaine de places sur les autres conférences, parce qu'elles ne font pas toutes les mêmes tailles en termes de salle. Si justement, on veut voir du Power BI, mais un peu plus light, évidemment, en général, pour les gens du Club Power BI, pour le coup, c'est vraiment une introduction. On a une introduction à la Power Platform. L'idée, c'est simple, hein, c'est que sur la journée, il y ait un tiers sur Power BI, un tiers sur Power Apps, un tiers sur Flow. Donc, c'est vraiment une initiation à l'ensemble des choses qu'on peut faire. Donc, la Power Platform, donc, je voulais dire, c'est ces trois produits-là. Mais chez Microsoft, c'est vraiment une division. C'est le même Corporate Vice President qui gère. C'est les mêmes équipes qui gèrent tous ces produits. Donc, c'est vraiment des produits qui sont très connexes. Donc, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire et toutes les exemples qu'on peut avoir à faire. Donc, avec Patrick Guimonet, donc c'est le leader de la communauté AOS, la communauté SharePoint depuis 65. Et Guillaume Godefroy qui s'occupe du meet-up du Club Power BI à Lille. Un sujet un peu plus deep dive, un peu plus avancé sur justement Power Apps et Flow. Vous avez vu, on a essayé de mixer des initiations et un peu plus avancé. Présenté par Serge Lucas. Alors, c'est simple pour donner un peu le pitch. Serge Lucas, c'est l'un des meilleurs experts au monde sur Flow. Il connaît aussi Apps, hein, je vous rassure. Donc, c'est un workshop qui donne un peu partout en Europe. Pas encore en dehors d'Europe, mais qui donne un petit peu partout. Et donc, voilà, il y a cette maîtrise à ce sujet. Donc, si vraiment vous voulez aller assez loin dans Apps et Flow, c'est une bonne pré-conf. Toutes les pré-conférences sont en français. Enfin, on a vraiment choisi. On a eu plein de demandes de conférenciers qui voulaient donner des pré-conférences en anglais. Mais voilà, l'idée, on sait très bien que ça peut être compliqué. Et puis, on a des excellents speakers français. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Mais il est belge. Voilà, il peut la faire en anglais, mais voilà, il va la faire en français. Il va la faire en français, bon. Avec un léger accent belge. Ça, je pense que vous en survivrez. Il y en a une dernière qui peut être intéressante. Évidemment, elle est un petit peu loin du cœur du Club Power BI. C'est vraiment base de données. Alors, on va parler un peu aussi de big data. On est vraiment très data, ce qui se passe derrière, data lake, big data, base de données, SQL Server, etc. Mais si ça peut vous intéresser, voilà. Deux très bons speakers sur le sujet et j'y ferai une apparition. Je vais parler un peu justement de DI et de data pendant cette pré-conférence. Donc, ça c'est le vendredi, c'est pas gratuit, c'est payant, mais normalement, 150 euros, en fait. Voilà, c'est 150 euros. Alors, vous avez le droit de dire c'est cher maintenant qu'on parle juste faire des prix du marché en termes de formation. Vous verrez que finalement, 150 euros c'est pas cher pour cette journée avec un expert d'un de ces sujets. Le samedi, alors Tristan et Paul disent que c'est gratuit, mais la journée du. C'est vrai que ça ne marche pas très bien. Voilà. La journée du samedi, c'est ce qu'on appelle la journée communautaire, la partie communautaire de la conférence. Donc, oui, techniquement, c'est gratuit. Maintenant, ce qu'on demande, c'est une petite participation aux frais si vous voulez manger le midi. Et elle est même optionnelle sur le formulaire, finalement, vous décochez je veux un panier repas. Par contre, vous n'aurez rien à manger, hein, il n'y aura pas de passe-droit, si voilà, je connais Tristan, etc. On est vraiment sur un principe de la big box. Donc, techniquement parlant, vous pouvez venir passer la journée du samedi
Et finalement, vous avez vu, le 15 juin, le samedi 15 juin, il n'y a pas de match, il n'y a pas de finale, il n'y a pas de plus comme ça, non? Je ne sais pas. Il y a la Coupe du Monde féminine. Ouais, salut. Bon, on mettra la télé dans un coin. L'année dernière, il y avait la Coupe du Monde, on a retransmis les matchs en direct pendant la conférence. Donc, on a rangé les pauses pour ça. Donc, évidemment, on ne va pas détailler l'ensemble des éléments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la trace du milieu qui est en jaune sur ton point BI pour leur plateforme. Et voilà, l'idée, c'est qu'il y ait un peu de tout. Là, pour le coup, il y a des sessions en anglais. On va faire une mise à jour de l'agenda en mettant quelques sessions, parce que certaines ont un titre en anglais, mais le speaker est français, il l'apprend en français. voilà, ça c'est le côté. Mais moi, le premier, j'ai mis des titres en anglais. Bah, donc, on va. Tour d'horizon. Donc, l'idée, c'est vraiment d'en donner un petit peu, de couvrir l'ensemble de ce qu'on fait avec Power BI et d'autres. Donc, globalement, moi, le message que je donne toujours, c'est compliqué de sacrifier un samedi, surtout qu'on espère qu'il fera beau et on n'a pas envie d'aller s'enterrer dans un centre de conférence, à aller voir des conférenciers. Mais mine de rien, regardez dans l'agenda, il y a tellement de trucs que vous allez vous dire. Finalement, j'en sais un peu au biais d'interaction avec Excel. Je devrais pas dire, mais si vous allez sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une session qui avait été donnée, mais là, ce sera à jour avec par Christian lors d'un meet-up du Club Power BI. Mais là, c'est une heure spécifique sur le sujet avec une mise à jour qui sera donnée par Lio. Par exemple, vous dites, ben, j'ai envie de voir ce truc-là parce que ça m'intéresse. Ben, venez juste à quelle heure? À 15h, de 15h à 16h. Vous ne sacrifiez pas tout votre samedi. Vous venez, nous, ça nous fait plaisir, ça monte les stats. Ça permet aussi d'avoir ce moment d'échange. Donc voilà, donc regardez, moi, je dis toujours, il y a forcément un truc qui doit vous plaire où vous dites, à ce cas, je le creuserai bien, ça a l'air sympa. Donc voilà, le lien, c'est facile. Ça a marché. Ça fait deux. Non, j'ai plus une fois, il en a fait deux. Le lien, c'est facile, powerstatterday.com. Voilà. Sinon, cherchez sur un bon moteur de recherche, ça arrive forcément sur le site. Donc, 14, 15 juin, le vendredi et le samedi. Sur le site, il y a toute la billetterie et tout pour s'inscrire aux pré-conférences, à la conférence, etc. Si vous avez une question, vous nous contactez sur Twitter, mail, Meetup, enfin bref, vous saurez nous trouver pour poser des questions là-dessus, voire même directement contacter les conférenciers si vous avez des questions sur leur session pour savoir de quoi ils vont parler pendant leur session. Et normalement, si tout est décrit, tout est sur le site, on a les descriptifs. Donc, il n'y a plus qu'à, il reste encore plein de billets. De toute façon, on est large, hein, on accepte tout le monde, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Ça vous donne envie ou pas, cette conférence où c'est bien vendu? Ouais. Je suis plus intéressé par la journée du vendredi ou du samedi, plus facile. Les deux. Et on est dans les stats, est-ce que le salarié est un problème? Ouais. Ouais. Pareil. Ah, donc il faut les enfants. Alors, on sait, après, c'est vrai qu'il y a il y a tout un tas de conférences comme ça. Il y a SharePoint Saturday, l'Azure Saturday, SQL Saturday. Donc, finalement, c'est un rythme. Nous, ce qu'on trouve qui est bien, alors en effet, là, ça pose problème. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'email. Il n'y a pas le truc à rendre pour le soir. On est samedi, on est tranquille. On peut venir décontracter, passer une heure, passer deux heures. Donc, ça donne. À une époque, on le décrivait, ces conférences samedi comme le côté un peu plus fun, qu'en semaine, là, c'est un peu trop professionnel, pour le coup. On reste dans les cas amateurs. Mais c'est vrai qu'on y réfléchit, on se dit pourquoi pas l'année prochaine faire jeudi, vendredi, par exemple, pour garder un format en semaine. Et pour le coup, c'est-à-dire qu'on sait qu'en dessous, c'est peut-être des fois plus compliqué, parce que c'est-à-dire prendre une journée, demander une journée à la hiérarchie, etc. Bon, dans tous les cas, on espère vous voir nombreux. Quelle que soit l'heure où vous venez, on va okay. On passe à la séquence nouveautés. Je vais vous présenter les nouveautés, pas toutes évidemment, mais certaines nouveautés de la mise à jour de mai 2019 de Power BI Desktop. Hein. Comme vous le savez, l'outil se met à jour tous les mois avec des nouvelles fonctionnalités. Alors malheureusement, on avait indiqué qu'on allait présenter une fonctionnalité qui n'est pas sortie. Qui n'est pas encore sorti, ça ne saurait tarder. Alors, on va pas vous dire quand, mais ça ne saurait tarder. Oui, on n'y a que. On prend pas le risque de parler d'une nouvelle fonctionnalité et s'avancer. Il y a vraiment que. Ouais.
Bon, c'est pas grave, on a quand même des choses intéressantes à vous montrer ce soir. Donc, les voici. Analyseur de performance, amélioration des filtres, auto-daytime désactivé au niveau global. Alors, c'est un tout petit truc, mais qui en fait est très très pratique. Annulation automatique de virtualisation des requêtes. Donc, on y va tout de suite. Je vais aller sur un rapport Power BI, qui est celui-ci. Et donc, je vais commencer par vous présenter l'analyseur de performance. C'est disponible qu'à partir de la version 2, qui s'appelle analyseur de performance. Et en fait, si je vulgarise un peu, enfin, c'est même carrément ça, c'est une sorte de profiler directement intégré dans Power BI Desktop, où vous allez pouvoir tracer ce qui se passe un petit peu sous le moteur et voir combien de temps met un visuel à se charger, etc. Donc, je vais vous faire une démo là-dessus. Alors, je vais surtout commencer par l'activer. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit menu qui apparaît. Alors maintenant, ce qui est bien dans Power BI, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, il me met dans un menu à droite. Il y a Paul Péton, une personne qui co-gère le club de Nantes. Il s'est amusé en fait à cocher un petit peu toutes les options qui maintenant apparaissent sur la droite. Et c'est vrai qu'en fait, après, il n'y a plus d'écran. Il y a tellement de choses dans Power BI. Ça rend l'outil extrêmement riche. Et puis, une des remarques qu'on nous fait souvent aussi en formation ou des retours qu'on a au Meetup, c'est que c'est vrai que, mine de rien, Power BI, ça devient quand même un outil. Enfin, faut savoir où cliquer, quoi. Il y a tellement d'options, tellement de boutons. C'est pour ça aussi qu'on est là. C'est pour vous aider à faire la veille sur le produit et vous aider peut-être à prioriser quels sont les 2-3 mises à jour qu'il faut suivre. Bref, cessons la digression. Donc, analyseur de performance. Donc, ça va tracer un petit peu tout ce qui se passe sur la page et ça va vous retourner des informations intéressantes sur la performance de votre rapport. Donc, je vais démarrer l'enregistrement pour qu'il puisse commencer à tracer ce qui se passe. Donc là, vous voyez, j'ai un petit menu qui apparaît avec le nom et la durée en millisecondes. Donc là, je vais provoquer une action sur mon rapport. Par exemple, je vais cliquer sur Food. Alors, vous le savez, hein, une des choses qui est intéressante dans Power BI, c'est l'interaction entre les graphiques. Alors là, malheureusement, la démo que je vous fais, j'aurais dû vous prévoir un gros rapport où il y a des analyses de performance hyper intéressantes à faire. Ce n'est pas le cas là, sur ce rapport. J'ai assez peu de volumétrie et j'ai des mesures qui sont relativement simples. Donc, honnêtement, jamais j'aurais vraiment utilisé l'analyseur de performance sur ce rapport-là. Mais là, je vous montre le principe. Donc, vous voyez, j'ai enclenché une action et ça me liste en fait toutes les répercussions qu'a cette action sur le rapport. Donc, en l'occurrence, ce que je vois ici, à droite, en fait, ce sont les visuels et les mesures qui sont exécutés, on va dire, sous le capot. Et vous avez à droite, pour chaque objet, la durée en millisecondes. Et si je clique sur le petit plus, vous voyez qu'en fait, elle est décomposée en 3 parties. D'accord ? Requête DAX, donc sur les 414 millisecondes qui ont été mises à calculer le total revenu, le sales versus last year en pourcentage et le NB orders, qui sont en fait des mesures que j'ai créées explicitement dans le modèle et qui sont utilisées dans les visuels qui ont été rafraîchis par le clic sur Food. Voilà. Ça a pris 32 millisecondes à exécuter le DAX, 48 secondes à afficher le visuel, donc plus de temps en fait, c'est intéressant. Et il y a cette fameuse catégorie « autre » qui représente 335 millisecondes. Alors, il y a eu, on ne l'a peut-être pas précisé, mais Jean-Pierre Raymond, on est Microsoft MVP, donc on a la chance de pouvoir interagir avec les équipes produits, donc ceux qui font Power BI, en fait. On a aussi des confrères dans le monde entier. Il y a eu des discussions récemment sur cette thématique-là, parce qu'il se trouve qu'en fait, dans la plupart des cas, la catégorie « autre » représente la majeure partie. Là, vous voyez, ça représente... 80-90% du sous-menu. Alors, les informations qu'on a, c'est que en fait, le autre, ça va notamment être l'estimation de... En fait, si vous voulez, c'est un peu comme il y a une liste d'attente, et c'est l'attente que les autres visuels s'affichent et font les calculs. C'est assez flou, pas beaucoup plus d'informations. Ce qui est normalement prévu à terme, c'est qu'ils puissent re-sous-détailler un peu plus cette catégorie autre pour voir exactement de quoi il s'agit et ce qu'il y a derrière. D'accord ? Pardon ? Je ne sais pas, peut-être, je pense. Peut-être. Ouais, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Alors, une partie intéressante, c'est que, évidemment, alors, peut-être qu'il y a des experts dans la salle qui ont testé cette fonctionnalité plus que moi. Il y a un truc qui me gêne, c'est que je ne peux pas nettoyer le cache. Je n'ai pas vu où c'est disponible. Du coup, si je réexécute
Si je réexécute, alors je vais effacer. Si je réexécute food, ah non, en fait, ouais. Tout à l'heure, j'avais fait le test, c'était plus rapide parce que ça avait mis en cache une partie des. Ouais, bon, faut voir. Ouais, vous voyez là, c'est. Ouais. C'est un peu plus rapide. Donc là, j'ai pas trouvé la. Si on veut vraiment tester de manière assez fine la performance, bah, l'idée, c'est de pouvoir nettoyer le cache qui garde quelque part en mémoire, qui préagrège certains résultats. Bon, j'ai pas trouvé cette fonctionnalité-là. Donc, c'est une petite amélioration peut-être à faire. Évidemment, hop là. Vous pouvez donc actualiser la page. En fait, toutes les opérations que vous faites sur votre rapport, lorsque vous avez démarré l'enregistrement, elles génèrent une action. Par exemple, changer de page. Donc là, je vais démarrer l'enregistrement. Vous voyez, c'est vierge. Je vais juste changer de page. Hop. Vous voyez, ça m'affiche tout ce qui a été nécessaire pour charger cette page. Et donc là, pareil, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir faire un tri, par exemple. Je clique là et ça me met tout de suite la durée en millisecondes. Donc là, on voit 1087 millisecondes sur ça. Bah, pareil, ce sont des mesures. Et la catégorie autre, 913 millisecondes sur les 1087. Donc, voilà. Vous voyez, l'idée, c'est quand même d'avoir une analyse dans Power BI. Elle n'est pas encore très fine et très exploitable à cause de cette catégorie autre. Il y a néanmoins, pour les utilisateurs un peu plus avancés, il y a néanmoins la possibilité en fait, de copier la requête d'axe sous-jacente, celle qui est envoyée au moteur Vertipack. Et il existe tout un tas d'outils, notamment DAX Studio. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur le Cloud Power BI de approximativement novembre ou décembre 2017, qui vous explique comment utiliser des outils tiers pour se connecter à Power BI et récupérer les métadonnées, auto-documenter son modèle, faire des analyses de performance un peu plus poussées. Et donc là, typiquement, je peux copier la requête. Je vais être dans DAX Studio, qui est un outil gratuit développé par la communauté et notamment quelqu'un que vous pouvez tous connaître qui s'appelle Marco Russo. Donc, je vais me connecter à ce modèle Power BI et normalement, je peux copier-coller la requête. Donc là, vous voyez, en fait, c'est la requête DAX qui est envoyée au moteur Vertipack pour compresser et stocker les données en colonne en mémoire. Et donc là, bah, potentiellement, je ne vais pas vous faire toute la démo, mais décomposer mon code, exécuter qu'une partie du code, voir la répartition entre le storage engine et le formula engine. Bref, ces choses-là, si on veut faire les choses un peu plus avancées. Amélioration des filtres. Alors, la deuxième fonctionnalité, un truc assez basique, maintenant dans les rapports Power BI, ça c'est depuis quelques mois, vous avez vraiment une zone de filtre dédiée que moi j'adore. Je trouve que c'est une des meilleures fonctionnalités qui est sortie depuis plusieurs mois, où en fait les filtres font vraiment partie intégrante du rapport maintenant. Vous pouvez les customiser, vous pouvez leur mettre des couleurs, vous pouvez les cacher, vous pouvez les verrouiller. Donc, il y a vraiment pas mal d'options disponibles pour le lecteur du rapport. Quand il va le consommer dans le service Power BI, vous pouvez vraiment beaucoup plus customiser l'expérience de filtre, la sécuriser et améliorer l'expérience utilisateur. Il y a un truc sympa qu'ils ont sorti récemment, dans la version de mai, tout bête, mais qui n'était pas disponible. Par exemple, je vais glisser un champ continent et puis un champ product. Voilà. Bah, ça rejoint ce que je vous disais sur l'UX. Il y a la possibilité maintenant assez facilement hop, de pouvoir, c'est censé marcher, voilà, de pouvoir intervertir ces filtres. Et puis, j'en profite pour vous faire un petit rappel. Ces filtres, vous pouvez les loquer, vous pouvez les cacher. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant en termes d'expérience utilisateur parce que vous allez pouvoir vraiment, au niveau de chaque objet de filtre, voire customiser. Donc ça, ce n'est pas la version de mai, que j'ai entendu dire là spécifiquement. Ça existe depuis quelques mois. Mais la possibilité d'intervertir, je crois qu'ils ont sorti aussi la possibilité de pouvoir utiliser les thèmes de couleurs pour aussi influencer quelle couleur vous voulez mettre quand vous sélectionnez, quelle couleur vous voulez mettre quand vous voulez sélectionner. Vous voyez, pas mal de fonctionnalités là-dessus. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser cette zone de filtre qui est très intéressante aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, c'était quand même un défaut de Power BI. Moi, je trouvais la précédente expérience de filtre. Celle-là, je la trouve intéressante. Alors, le troisième, c'est un tout petit truc, mais je l'adore. Et Marco Russo aussi l'adore. Il a tout en disant, bon, arrêtez tout, ouvrez votre Power BI, décochez cette option, refermez Power BI, c'est bon, vous pouvez démarrer votre journée. Auto-détail d'activer au niveau global. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous avez dans votre modèle Power BI, d'accord, quand vous avez un champ date, vous importez une table avec un champ date que vous avez expressément typé en date dans Power Query, par défaut, le moteur Vertipack, donc le moteur de Power BI, a cette merveilleuse idée de vous créer une espèce de hiérarchie temporelle
qui est franchement très emmerdante, avec une année, un quarter, un mois, etc. D'accord, ça le fait par défaut. D'accord, je peux peut-être vous montrer ça. Alors, il se trouve que je crois que sur le modèle que j'ai désactivé. Donc, on va faire comme si je l'avais. Alors, je vais le réactiver. Voilà, donc ça va être à ce niveau-là. Alors, voilà. Donc, c'est cette option-là. Date, heure, automatique pour les nouveaux fichiers. Alors, ce qui était vraiment embêtant à l'époque, c'est que cette option-là, elle n'était pas disponible au niveau global. Elle était disponible que au niveau du fichier actif. Et en plus, elle était activée. D'accord ? Donc, par défaut, quand vous ouvriez un fichier Power BI, cette option-là était activée. Et si jamais vous vouliez modifier le comportement, ça ne s'appliquait que au fichier actif. D'accord ? Il y a bien deux types d'options en Power BI, les options globales et les options qui s'appliquent au fichier actif. Donc, cette option, ils l'ont remontée au niveau du global. C'est-à-dire que maintenant, si vous la désactivez ou si vous l'activez, ça sera valable à chaque fois que vous ouvrez un fichier Power BI. D'accord ? Donc, ça, c'est très intéressant. Et ce que ça va permettre de faire, donc, je vais l'activer pour vous montrer ce qui était un petit peu embêtant à l'époque. Je pense qu'il faut recharger le. Je sais pas s'il faut recharger la table pour qu'il le redéclenche. Non, bon. C'est ce qui s'appelle l'effet démo. Je ne sais pas, peut-être que je vous vois bien et que je le referme. Donc imaginez qu'il y ait un truc super pénible qui apparaisse ici. Je pense que vous l'avez déjà tous vécu au moins une fois. Cette espèce de hiérarchie temporelle qui est créée toute seule par le moteur. Donc ce que cette option permet, c'est de la désactiver. Et je vous encourage, je vais le dire, hein, très fortement à le faire. Pourquoi ? Parce que une des bonnes pratiques dans Power BI, dès que vous avez du temps, c'est de créer une table temporelle séparée à la granularité journalière qui comprendra l'ensemble des colonnes temporelles que vous allez vouloir utiliser dans votre modèle. Et c'est bien cette table séparée que vous allez lier à toutes vos tables de fait qui comprennent les dates que vous allez vouloir analyser. Donc, ne passez pas par cette option auto-générée par le moteur. Allez tout de suite la désactiver dans vos options au niveau global. Et comme ça, vous ne serez pas embêté par cette hiérarchie faite toute seule par le moteur. Et ça vous forcera à regarder comment est-ce qu'on crée une table calendrier, quelle est l'utilité d'une table calendrier dans Power BI, ce genre de choses. Si vous avez une question là-dessus, on pourra y répondre maintenant ou à la fin du meetup si vous n'en êtes pas convaincu. Donc voilà pour la troisième option. C'est des petits détails comme ça, mais qui sont franchement intéressants. Le quatrième, pareil, c'est qui, moi, m'énervait particulièrement. Donc, annulation automatique de l'actualisation des requêtes. Donc, imaginez la chose suivante. Vous êtes là, et puis vous lancez un refresh. D'accord ? Donc, le truc, il tourne, il mouline, etc. Et puis, vous avez un truc à faire. Alors, là, c'est un mauvais exemple parce que mon truc tourne très vite. Et vous rendez compte que vous voulez annuler l'exécution du refresh parce que vous voulez refaire un truc dans votre Power BI, vous voulez ajouter une mesure, ou vous vous rendez compte qu'il y a un problème. D'accord ? Eh bien, avant, donc je vais relancer le refresh. Quand on cliquait sur le petit bouton annuler, là, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. Il essayait quand même d'actualiser, puis d'arrêter. Enfin, c'était un petit peu bizarre. Même moi, j'avais du mal à l'expliquer. Je ne sais pas comment faire cette explication. En tout cas, ça mettait énormément de temps à annuler le rafraîchissement d'une requête. C'était particulièrement pénible. Hein. Ça pouvait prendre plusieurs minutes. Donc maintenant, alors je ne sais pas si c'est une option à aller activer. Je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est par défaut. Je vais juste aller vérifier ça. Ça doit être dans chargement des données. Il y a un truc sur chargement des données. Non, je pense qu'ils l'ont mis en par défaut. Quand vous cliquez sur le petit bouton annuler, si jamais vous voulez annuler le rafraîchissement des requêtes, hop, tout de suite, vous voyez, ça annule complètement le refresh et c'est très rapide. Donc ça, c'est pareil, c'est un tout petit détail, mais pensez bien qu'avant, c'était pénible d'avoir à faire ce genre de choses et que maintenant, ça l'est plus. Donc c'est quand même un gain de temps et d'expérience utilisateur notable sur l'outil. Voilà. Que j'avais à vous montrer. Pour avouer que ce n'est pas une mise à jour incroyable, il y a eu beaucoup mieux. Mon analyseur de performance, je pense qu'il a vocation à s'améliorer. Et mon petit doigt me dit qu'en juin, il y aura des choses sympas à vous présenter. Des questions sur les nouveautés ? Non ? Ok. Bon, soit c'était clair, soit ça ne vous intéresse pas. Moi, j'ai peut-être une remarque sur l'analyseur de performance. En effet, ça vient juste d'arriver, c'est encore un peu. Pas tout à fait sec, le fameux autre, moi à mon avis, a une notion de réseau aussi. Pour le coup. Mais ce qui va être intéressant, là, pour moi, c'est à tester sur les modèles, souvent, je vais regarder là, sur un modèle qui est réputé lent par les utilisateurs, et ça va permettre en tout cas d'exclure, par exemple, un mauvais codage de vos requêtes en DAX. Donc là, on voit pertinemment, dans l'exemple qui avait été fait, que
le DEX représente un pouillème de ce qu'il y a, de voir aussi peut-être que comme vous avez mis un slicer, juste le fait de le retirer, de l'accélérer, donc déjà ça aide finalement à mettre un petit peu d'air dans les modèles, et surtout ça va être intéressant sur certains gros modèles, je pense pour la partie, notamment la partie requête. Et ça me fait penser aussi à mettre un petit peu d'air, moi j'en remets une couche, pas que sur le modèle, sur les pages de rapport aussi, hein, parce que le grand classique, c'est que les utilisateurs métiers, peut-être que vous faites ça, je ne sais pas, mais on veut tout voir hein, dans la page, donc on va mettre 14 000 visuels et 36 000 slicers, parce qu'il ne faut surtout pas manquer l'information dans la page. L'analyseur de performance va pouvoir mettre en lumière assez rapidement, vous allez rapidement vous rendre compte que plus vous mettez de visuels dans une page, plus ça met de temps à charger, et vous allez pouvoir le matérialiser quand même assez facilement. Hein. Le principe de Power BI, c'est de hiérarchiser l'information, de construire une navigation dans le rapport, et donc maximum 4, 5, 6 visuels par page. Voilà. De ce que je vois, on est plutôt aux alentours de 12, 15, voire 20. Pourquoi ? Je ne m'appelle pas beaucoup. Il y a une matrice. Et puis 3. Avec toutes les mesures. Et voilà. Je ne connais pas beaucoup d'êtres humains qui arrivent à analyser ça. Mais, il y a en effet un travail à faire sur l'ergonomie qui va être un axe. Une question sur ça ? C'est une bonne question. Je crois que j'ai lu un truc là-dessus. Je l'ai pas testé. Alors, on peut tester si vous voulez. Hein. Vous connectez à une base en direct query. Alors, je vais répéter la question. Est-ce que l'analyseur de performance permet de matérialiser le temps que prend de la requête côté serveur, puisque ou alors là on est dans le desktop, hein. On est dans la première version, elle est très s'ils l'ont sorti dans le desktop, c'est que ils maîtrisent pas toute la chaîne en fait, pour le coup, parce que pour avoir ce type de métrique, ils sont obligés vraiment d'être très proche du moteur de requête. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'ailleurs en fait, ma remarque tout à l'heure était absurde, la notion de réseau, on va pas forcément mesurer ici. Alors, moi je pensais plus que le réseau d'Archer, en fait. On sait que côté là, mais comme on est tout en local, il n'y a pas cette partie-là. Le temps que tu cherches, peut-être qu'il y avait une autre question. Oui. En fait, vous avez regardé, donc quand on clique sur exporter, ouais. On récupère un fichier JSON qui est beaucoup plus riche. En direct query. Malheureusement, ça n'exporte pas un fichier Excel avec. Alors, on va l'écran. Si je n'ai pas, moi, j'ai vu un truc qui est C'est un JSON. La question sur. Alors, exporter une performance analyzer. Je crois avoir vu passer, en effet, il va certainement y avoir plein de gens qui vont faire des Power BI, qui analysent les performances de Power BI. Les mecs, un truc tout bête. Donc je crois avoir vu passer le truc là-dessus. Mais comme c'est assez récent, j'ai pas le temps de regarder. Notamment, un des soucis qu'il y a avec le truc, là, justement, je voulais faire dire. Quel est mon visuel le plus lent, ben en fait, visuellement dans l'interface, on attend. Donc le fait d'exporter et de remettre derrière, je pense qu'on va avoir des informations. Donc en direct query, je suis connecté en direct query sur une base de données SQL Server. Et effectivement, l'analyseur de performance semble fonctionner puisqu'il m'indique le temps que prend chaque élément. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai fait deux fois, je n'ai pas pu tirer le cache, ça a pris deux fois moins de temps là. Donc c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas faire ça. Je vais juste générer l'export pour voir ce qu'il y a dedans. Oui, mais c'est censé être un outil métier, ça serait bien qu'ils mettent voilà. Oui, effectivement, je peux aller dans les options, c'est vrai. Je vais juste voir ce qu'il y a dans l'export. Donc ça génère un fichier JSON, non hein. Il va être sur le bureau. Pardon ? Il y a carrément moins d'encours que dans la tête. C'est-à-dire que c'est l'exécution et la liste d'attente. Oui, c'est sûr. La réponse qu'on a eu par rapport à ça, c'est effectivement une espèce de liste d'attente par rapport aux autres visuels. Ouais. Il est où ? Je ne l'ai pas mis sur le. Ah oui, je ne le voyais pas. J'ai pas de JSON Viewer. Ouais, il faudrait regarder la requête. Si, en plus, je dois avoir un JSON Viewer. Mais... Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup plus de choses dans le design. Je ne pense pas non plus.
Bah, en fait, il y a la requête, mais je peux la copier aussi. C'est surtout très verbeux, en fait, hein, pour le coup. Oui, mais là, en fait, tu l'as, tu peux la copier aussi. Ouais, ouais, bon, il faudrait qu'on creuse là-dessus, mais. On ne prend pas lors d'un prochain meet-up. Alors, le problème, c'est que ce sera peut-être 8 septembre, on verra si on a fait cet été. Parce que je sais, j'ai vu passer des trucs. Donc, on va essayer de voir s'il y a un analyseur. Désolé, c'est pas un peu ça. Il va seulement qu'il trouve, comme c'est de la HDMI. Attends, t'as raison. Eh ouais, c'est ça en fait. Ouais. Non, mais du coup, c'est bon là. Non, j'ai juste coupé le. Non. Et là, on a toujours le micro, on nous entend, donc c'est bon. Non, c'est bon. Ok, il y avait d'autres questions sur la partie. On va pas quelques nouveautés à soir. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Allez. Ouais, c'était ça, ouais. Okay. Désolé. Vas-y. Alors, côté service, en fait, on fait durer le plaisir parce qu'il y a moins de nouveautés que d'habitude. Donc, on prend un peu le temps. Nouveauté côté service, j'ai mis pas forcément dans un ordre particulier. La première, c'est les commentaires dans les rapports. On avait déjà évoqué qu'il y avait les commentaires sur les tuiles de tableau de bord. Donc, quand on construit des éléments de rapport et qu'on construit le tableau de bord, on pouvait avoir les commentaires. Alors, j'appelle les commentaires, il faut vraiment les voir comme un fil de discussion sur une tuile, un visuel ou un rapport ou un dashboard complet. Hein, la fonctionnalité, il faudrait vraiment la voir comme ça. Vous savez, dans la raison, de notion de contexte, etc. Mais je vois, pour les rapports, ils ont une petite nouveauté qui nous permet finalement de capturer le contexte quand on fait les éléments. Alors, tout simplement, on va aller sur un rapport, là. Sur un rapport Power BI, hop, qui va s'afficher ici. En fait, vous l'avez, alors, le problème, c'est que, tout à l'heure, Tristan, tu parlais des volets quand on a un Power BI desktop, mais c'est pareil sur le service, il y a tellement de fonctionnalités annexes que si vous n'avez pas un écran 16 de 25 pouces, il vous manque des éléments. Mais ici, vous allez avoir commentaires, ici, afficher le volet de commentaires, hop, qui va s'afficher. Donc justement, j'ai commencé à mettre. Donc, c'est le même principe qu'on avait sur les tuiles de tableau de bord. Vous pouvez écrire ici un commentaire, citer des gens. Hein, donc, par exemple, je crois que tu es toujours dans le système, Tristan, voilà, toujours quelque part, hein, pour le coup, mais tu ne vas pas le recevoir. Donc, on va pouvoir mettre des éléments et avoir justement ce fil de discussion sur les choses. Et on peut même finalement le mettre sur le rapport ou le mettre directement sur le visuel. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit symbole signé. Je vais voir ce que ça fait si je clique dessus. Voilà. Le fait d'avoir cliqué sur le signé, c'est qu'en fait, au moment où j'ai fait le rapport, donc si j'ai fait sur un visuel, il va faire un signé ou il va mettre en avant le visuel sur lequel j'ai mis mon commentaire. Donc, ça permet de capter les informations. Le fait que ça soit un signé, un marque en anglais, c'est aussi que potentiellement, si j'ai mis 15 filtres sur mon rapport, donc admettons, j'ai mis le mois en cours, j'ai regardé un produit, etc. Je mets un rapport, un commentaire où je vais taguer mon directeur commercial en disant, mais c'est bizarre, là, sur le segment de marché habillement, on a une chute des ventes. Et finalement, le fait d'avoir mis un signé va faire que quand il va cliquer sur le signé, il va retrouver le contexte qu'on avait. Ce qui nous manque, c'est que les données ne sont pas snapshotées. Donc, au bout d'un moment, si c'était par exemple une erreur de l'export de mon ERP par tomber, etc., et que les données se mettent à jour le lendemain, bon, malheureusement, peut-être qu'il va me dire, mais je viens de regarder le rapport, je ne vois pas ce dont tu me parles. Mais au moins, déjà, on a les filtres, donc on a une partie du contexte qui va être capturée quand on fait les éléments. Évidemment, vous l'avez sur le service, vous l'avez aussi sur le mobile. On l'avait déjà dit, avec déjà les commentaires, mais vraiment, il considère le web et le mobile comme étant la même plateforme. Donc, on a les commentaires pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas. En tant que consommateur final, si, je crois.
Ah d'accord, je crois que tu parlais de la Power BI app sur le store. On va faire l'essai, hein. Parfois je le pousse dans le service, peut-être l'envoyer à quelqu'un, mais sinon moi ce qui m'intéresse c'est de mettre en PDF, en fait, de l'envoyer. Là l'objectif c'est de rester dans Power BI aussi la partie collaborative. Et encore, j'aurais pu citer Maxime. Non, je voulais juste vérifier, en fait, voilà. C'est-à-dire que là, le signé, il est bien sur le bookmark que j'ai fait. Donc, je suis dans un état, donc c'est quelque chose de compliqué. Hop, je reviens sur mon petit slide. Donc, ça, c'est commentaire sur les rapports. Autre nouveauté, alors malheureusement, vous allez juste voir l'article de blog et on va le décortiquer un petit peu ensemble. Mais qui est assez intéressant, c'est que le mois dernier, on a évoqué les nouveaux workspaces. Là, ils sont en train de mettre à jour les applications, la façon dont on va publier une application avec Power BI. Ça, quand même, quelque chose d'assez plat au final. Hein. On va avoir les dashboards, les rapports, donc on a une game list d'éléments. Là, l'idée, c'est d'améliorer la navigation quand on va publier une application. Alors, c'est bien écrit dans l'article de blog que c'est en cours et que ça sera déployé totalement à partir du 25 mai, donc il me semble que le 22. Mais mine de rien, ça a été annoncé et ça va arriver. Donc là, je vais tricher un peu. On va aller voir directement l'article de blog qui fait ça, juste pour que vous puissiez voir les screenshots de ce qui correspond. Globalement, ce qui va changer, alors je ne vais peut-être pas zoomer, hop, sinon si je clique sur la photo, ce qui va changer, c'est que finalement, une application, elle va avoir un menu. Alors déjà, elle a un logo. C'est peut-être un petit détail, mais finalement, je suis sûr que ça va faire un nom. Elle aura un logo, on peut lui changer le nom par rapport au workspace. Donc votre workspace sur lequel vous créez l'application, et les éléments, il s'appelle peut-être dev-mon-département-bêta, etc. Quand vous finissez, vous pouvez très bien l'appeler la vidéo de vehicle headset, par exemple, et mettre un logo. Donc le nom, le logo, il suffit de pouvoir mettre une navigation et une hiérarchie. Donc globalement, on a un menu avec des sections et des sous-sections sur lesquelles on va pouvoir organiser les informations qui vont pointer vers. Alors, c'est là où j'ai envie de jouer un petit peu avec, mais globalement, des pages du rapport, des dashboards. En particulier, pour justement un petit peu organiser l'information et éviter que ça soit juste une liste de tableaux de bord ou de rapports. Et chose intéressante, on va aussi pouvoir mettre des liens pour mettre du contenu embedded au milieu, hein, donc sur ça. Et l'exemple qui donne, que je trouve assez pertinent, c'est mettre une vidéo d'explication, par exemple. Ou tout simplement d'aller vers, si par exemple vous faites un rapport sur un ERP, peut-être directement le lien vers l'ERP ou la page de documentation, l'ERP qui va bien. À quoi ça ressemble si je reviens un tout petit peu en arrière? Donc là, vous avez le final, mais juste pour montrer comment ça va se configurer. Hop, celle-là, elle est mieux. Ici. Hop. Donc au final, au moment où on va publier l'application, on va juste avoir cette page de menu. Vous voyez, on a les mêmes éléments. Hein. Sur l'autre, on a des descriptions, contenu, access. Là, maintenant, ça devient setup, navigation, permission sur les éléments. Et là, vous allez juste construire votre navigation en créant des sections, en masquant des éléments. Là, par exemple, super quality. J'ai envie de masquer l'utilisateur. Et en rajoutant le lien, là, l'exemple, c'est le lien qui va permettre de mettre une vidéo là-dessus. Donc, on voit qu'on a un lien avec embed. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas si YouTube qu'on met, c'est juste la vidéo qu'on va embedder là-dessus. Il y a juste le point que je ne sais pas trop, c'est le défaut de navigation lead. Je n'ai pas expliqué dans la doc, je suis en train de voir ce que ça donne. Il y a un petit. On aura l'information. Tu peux pointer que vers des liens web. Oui. Donc, ça veut dire il y a une section et le contenu de. Donc, si tu veux pointer vers une page, etc., pour récupérer l'URL et te mettre dedans, il y a l'URL. C'est bizarre. Avoir l'usage, hein, par contre, c'est même pas disponible en pilote prévu. Et tout ça, en tout cas, j'en ai conscience. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir en drop-down les pages ou les dashboards qui sont dans l'app. Elles y sont, en fait. Elles y sont, et justement, on doit les masquer. Pour les coups. Et là, on voit Supplier Quality, il est masqué. Donc, on fera peut-être une présentation quand ce sera disponible, pareil pour les nouveaux workspaces, quand tout ça sera bien arrivé. On fera peut-être un petit récap de toute la navigation dans le service à la rentrée. Et voilà sur quoi ça rentre. Donc, encore une fois, on se dit, maintenant, ils sont arrivés à un stade où il n'y a plus rien à apporter comme nouveauté dans l'application. Et au final, des fois, c'est des petits détails, juste rajouter un menu d'application dans l'application. On se dit, ah ouais, c'est pas bête. Par contre, on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut changer dans l'application. Je ne suis pas sûr que je voudrais proposer tout ça. Mais au final, avec tout l'écosystème, hein, c'est
plusieurs millions d'utilisateurs actifs par mois de Power BI. Ils ont de la télémétrie, ils ont des feedbacks, ils ont des votes, des clients, des feedbacks de nous, les MVP ou les personnes un petit peu insiders des programmes. Et bah, au final, quand on consulte tout ça, bah, ils arrêtent toujours à innover, à proposer des choses sur le produit. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre alors pour le coup, après, il n'y a plus de démos. On a vu le Performance Analyzer sur Power BI Desktop. C'est pareil, donc on voit qu'on atteint une maturité quand on commence à mettre des fonctionnalités pour auditer les performances. Ça arrive aussi sur la Gateway. Donc la Gateway, hein, c'est le petit composant qui permet d'avoir ses sources de données on-premise, donc sur vos data centers, mais de garder le Power BI sur le service de Microsoft. Donc vraiment, il faut que ça cause tous les deux. Donc on a cet élément. Et là, on est toujours embêté. Moi, le premier, on nous dit, alors c'est quoi les prérequis, quelle machine je dois mettre, combien de RAM, combien de CPU, etc. Donc, faire une étude de dimensionnement, et pour faire une étude de dimensionnement, il faut tester, il faut mesurer. La première chose, c'est de mesurer. Peut-être que dans le retour à le sport, on va apprendre qu'il faut mesurer aussi les éléments tout à l'heure. Et on manquait en fait d'éléments pour pouvoir mesurer ce qui se passait sur ce gateway. Ben voilà, on a des nouveaux rapports, des nouveaux exports, des nouveaux fichiers doc qui vont nous mettre des informations sur la performance des requêtes qui sont diffusées sur le serveur. Donc, pareil, on essaiera peut-être de faire un retour sur le détail. Oui. La question, c'est depuis combien de temps est disponible cette gateway? La gateway est disponible depuis le premier jour de Power BI. Elle existe. Alors, par contre, elle a changé 15 fois de nom depuis, mine de rien. Il y a toujours eu gateway dans l'histoire, mais ils ont beaucoup oscillé sur les noms. Donc, ça existe depuis le début. Hein. Parce que dès le début, ils se sont dit, OK, on va faire un service cloud. Le premier truc que vous demandez à un client, c'est de dire, je ne veux pas mettre mes données en cloud. Ou comment je fais, enfin, j'ai pas envie de pousser à la base de données, et ça se comprend. Si vous avez un ERP avec une énorme base qui est là, puis au moment où vous l'avez mis sur le data center, vous n'avez pas tout le monde. Donc ce composant existe depuis le début de Power BI. Technologiquement, il n'a pas beaucoup évolué. C'est juste qu'à une époque, on ne pouvait rien faire pour faire un next, installer, et c'était bon. Donc de plus en plus, on a tout un tas de petits détails. Là, pour moi, c'est une grosse amélioration parce que ça va permettre de bien gérer ça. Parce que, comme tout, c'est sur un serveur, il faut le gérer, s'assurer que le serveur ne tombe pas. Moi, j'ai eu l'exemple, hein, on a eu une gateway en interne chez Azeo, qu'on utilise pour notre propre tableau de bord. Et à un moment, j'ai vu tous les refresh toute la journée, était une fois sur deux en erreur. Et en fait, parce qu'on est arrivé à un niveau où on faisait tellement de refresh que j'avais mis une machine, il devait y avoir 3 gigas de RAM ou un truc comme ça, donc c'était vraiment ridicule. Le simple fait de la passer, oui, évidemment. J'ai quand même des recommandations en plus. Et finalement, je l'ai passé à 8 gigas et d'un coup, ça a amélioré. Mais finalement, c'est des choses qu'il faut administrer, qu'il faut surveiller. Par contre, la gateway, moi justement, on propose des solutions full cloud. En fait, selon les sources, même sur le cloud, du coup, pas Azure, où ils n'ont pas encore passé toutes les certifications pour utiliser la certif Microsoft pour ne pas passer par la gateway. Bon, on arrive, on dit, bon, par contre, il faudra installer une verrue. Exactement. Dans quelle source, par exemple, Snowflake. Bon, ils sont en train de passer les certifs, normalement, c'est Snowflake. Oui, mais c'est Snowflake. Ah non, c'est très bien. En effet, c'est un cas, mais moi j'ai aussi un exemple. Hein, c'est que j'utilise un service cloud. C'est un service cloud. Donc, il n'y a rien sur du data center, mais comme c'est du MySQL. MySQL, c'est considéré comme une source on-premise, donc ma gateway est dans le cloud, mais MySQL ne passe pas avec MySQL qui est totalement ouvert. Ceux qui ne comprennent rien, ce qu'on est en train de se dire, c'est pas grave. Hein. On va aussi parler de ce qu'on va dire. Ma gateway, en fait, c'est ça, c'est que si vous en avez besoin, c'est que vous avez des sources techniques du Snowflake, du SQL Server, donc c'est forcément technique par essence. Hein, pour les confus. Le cache des requêtes. Alors, je n'ai pas pu tester encore. Je l'ai vu, malheureusement, je ne peux pas vous montrer. C'est sur un tenant premium. Donc, vous venez, souvent, c'est la question de dire, ah, bien, cette fonctionnalité. Donc, c'est une fonctionnalité premium. Globalement, j'attends de voir ce que ça peut donner. Mais l'idée, c'est que un des moyens d'optimiser des requêtes, c'est de mettre un cache entre les deux, qui va se dire, mais en fait, le DAX, plutôt que de l'envoyer à chaque fois que je clique sur un slicer, de renvoyer les DAX qui vont bien, je vais garder finalement le résultat intermédiaire qui est le résultat.
ben ça maintenant, vous pouvez l'activer pour un dataset ou pour l'ensemble des datasets de l'entreprise. Pareil, si vous allez voir sur l'article de blog, il y a un petit screenshot. Honnêtement, hein, je n'ai pas besoin de vous le montrer, hein, il y a juste le setting sur dataset, c'est j'utilise le par défaut, je désactive ou je l'active. Et donc j'attends de voir, j'ai pas de retour à vous faire sur est-ce que ça améliore vraiment les performances. C'est juste que je l'ai là chez un client, honnêtement, je n'ai pas de la différence. Ouais, j'ai peur que ça soit assez spécifique. Après, c'est par utilisateur aussi. Hein. Donc au final, ça ne met en cache que par utilisateur. Donc on ne bénéficie pas si on a beaucoup d'utilisateurs. Mais à voir, peut-être que dans certains cas. Donc, globalement, on voit que d'un coup, et on voit aussi comment travaille Microsoft et les cycles, on a le Power BI Desktop, la Gateway et le Cache Rocket. On voit bien que là, ils sont sur une phase où ils travaillent sur des fonctionnalités d'optimisation ou de monitoring des éléments. Je l'ai mis, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, l'export de la liste des workspaces. Globalement, vous avez, quand vous êtes admin, vous pouvez avoir la liste en CSV, la liste des workspaces. Vous pouvez la voir, on avait déjà fait des démos lors de précédents clubs Power BI. Vous pouvez la récupérer en PowerShell ou dans des éléments. Voilà, un administrateur qui est un peu fainéant, il peut très bien aller récupérer la liste des workspaces. Par curiosité, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que j'ai mis, parce qu'on a toujours cette curiosité d'aller voir les workspaces que les gens ont créés dans l'entreprise. Évidemment, il faut être admin de Power BI pour pouvoir le faire. Et enfin, le dernier, les connecteurs personnalisés. On avait fait un peu de Power BI sur le sujet. Vous montrer que finalement, si vous voulez vous connecter à une source de données et elle est exotique, il n'y a pas de connecteur qui existe dans Power BI, vous avez la possibilité de développer votre propre custom connecteur. Alors, ça sert soit à des sources qui n'existeraient pas, ou aussi, pourquoi pas, une source qui existe, mais que vous voulez personnaliser avec votre entreprise. C'est-à-dire que plutôt que de se connecter à Snowflake, pour le coup, c'est votre Snowflake, vous avez vos propres tables, etc. Vous créez justement un connecteur personnalisé pour que finalement l'utilisateur, il ne navigue pas dans des tables de Snowflake, finalement, vous allez même lui masquer, il va naviguer dans vos entités, par exemple. Des entités vente, produits, etc. Ben finalement, vous allez lui faire un connecteur custom où il va choisir ben tiens, je vais récupérer les ventes et les produits. Et derrière, vous allez juste finalement vous rappeler la complexité du code Power Query qui va bien. Donc, c'est vraiment les deux usages qu'on a sur les connecteurs personnalisés. Et le problème, c'est que quand on est dans des gros déploiements des grosses sociétés, on a le problème, c'est que les connecteurs personnalisés, c'est un bout de code qu'on file à un admin qui va configurer quelque part. Et là, souvent, les admins me disent bon, t'es gentil, mais ton code perso, ça n'est pas trop. Donc là, on va avoir un processus de signature de connecteur personnalisé. Donc en gros, Microsoft va les certifier, ce qui fait qu'on va pouvoir les ajouter dans le tenant beaucoup plus facilement. Je ne rentre pas dans le détail sur comment marche la signature, quel est le process, etc. Mais globalement, l'idée, c'est en effet de certifier son connecteur pour fluidifier finalement leur déploiement dans le tenant. Et même, pourquoi pas, vis-à-vis de Microsoft, parce qu'il y a aussi tout un programme où finalement, si Microsoft se dit c'est sympa ce qu'ils ont fait là sur cette base de données qu'on n'avait pas dans notre liste, et là, potentiellement, l'idée, c'est de prendre ce connecteur et de le mettre par la suite en natif directement dans Power BI. Et la dernière fois, j'avais mis une petite question sur ce qui était plus en bêta, mais là, globalement, il n'y a rien qui est passé en GA. Oui. Par rapport à cette liste de connecteurs personnalisés, certifiés par Microsoft, qu'ils ne mettent pas forcément en natif, dans la marketplace pour pouvoir accéder à ce qui a été certifié. Je pense que ça va arriver. Hein. On voit bien, hein, c'est que là, c'est la première étape pour justement avoir un son de marketplace. Quand le marketplace des custom visual est arrivé, de toute façon, tout le principe des stores, hein, c'est le cas pour les stores des applications de téléphone mobile. L'éditeur, quelque part, il est. Comme il a une partie de la responsabilité de ce qu'il met à disposition, ils sont obligés de faire un audit de code, une petite vérification, et les processus de signature et de certification servent à ça. Donc, je pense que ça va peut-être arriver. Maintenant, comment ils vont le faire c'est comme tout, hein, des fois ça prend du temps, mais une discussion elle avance sur une étape, sur une fonctionnalité qu'on a présentée, qui est en fait étape. Bon, il faut, il y a un moment, les fonctionnalités, ils ne connaissent pas trop comment ils y vont. Bon, ils la mettent en bêta, ils regardent, ils testent, ça avance. Il voit comment réagissent l'écosystème, le marché. Si ça prend, tant mieux, ça avancera. Si ça ne prend pas, il va se focaliser sur autre chose. Est-ce que vous avez des questions sur ces parties-là? Et bon, on va passer au retour d'expérience, je pense. Il n'y a pas de semaine? En démo, il n'y avait pas de démo.
On a le plaisir d'accueillir Maxime, qui va nous faire un petit retour d'expérience de son utilisation de Power BI dans le sport. Je ne vais pas dévoiler ce que tu veux montrer. No spoil. Juste du titre pour l'instant. Bienvenue Maxime. Je vais te laisser te présenter puis dérouler tes slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis tu peux les prendre soit à la fin, soit au milieu. C'est toi qui gères. Non, je présente. Donc bonsoir, donc j'ai juste le téléphone, c'est pour prévisualiser les slides. C'est simple pour moi de le présenter, parce que normalement j'utilise l'ordinateur pour prévisualiser, mais là pour le coup donc j'ai juste le téléphone, c'est pas parce que j'attends un coup de fil. Donc bonsoir à tous, je me présente Maxime Coulereau, je ne suis pas du tout technicien, donc on m'a perdu le fichier tout à l'heure au GeoGiron. Je connais un petit peu les GeoGiron, mais là tout à l'heure on m'a un peu perdu là-dessus, je déconne, mais je suis vraiment quelqu'un qui vient du terrain et on va voir si ça marche pas. Voilà. Donc, je tiens d'abord à remercier les personnes qui, dans mon process d'utilisation de Power BI, m'ont aidé. Donc déjà, je remercie Tristan et Club Power BI pour l'invitation, Mobileskip pour permettre d'utiliser les locaux. Et je vais essayer aussi d'inventer un peu mon délire. Je remercie en particulier dans mon passé les personnes qui ont agi dans ma carrière et qui ont aussi influé sur l'utilisation de Power BI. Bertrand Rezeau, donc directeur du centre de formation de l'AS Monaco à l'époque, que j'avais avant au PSG. Grégory Six, qui était pas le DSI mais le responsable des grands projets et qui nous a aidé à travailler sur l'utilisation des data. Et Vishnu Pachanti-Bramoine, qui était notre data scientist qu'on a recruté. Je vais vous expliquer un peu le process qu'on a eu dans la volonté de recruter Vishnu. Et aussi, je tiens aussi à remercier Giovanni Maori et Alessandro Botti, parce qu'on utilise des données qui vous seront présentées pour le monde équin. Donc, je viens du monde du foot et on est un peu parti sur le monde équin parce qu'il y a peut-être des choses à faire comme dans le football. Et je vais développer après par la suite. Ouais, je vais y arriver. Donc, je pense que ce sera plus simple. Alors, concernant mon cursus, je suis issu des filières STAPS, entraînement performance. Ensuite, j'ai passé un diplôme universitaire européen de préparation physique. Donc, encore une fois, je viens du monde du sport et je me suis spécialisé en sport. J'ai fait un tronc commun en physiopathologie. Au fur et à mesure de mes années universitaires, comme j'avais pas de club, j'ai passé un diplôme. Après, par la suite, j'ai passé des formations diplômantes plutôt certifiantes, une en réathlétisation du sportif blessé. C'est, en gros, c'est quand le sportif est blessé, c'est comment le ramener sur le terrain. On appelle un peu le return to play. Ensuite, j'ai passé une formation de base pour la chaîne TAX, qui est plutôt sur la partie biomécanique qui m'intéressait, mais il y a après, on devait partir sur la partie RH. On peut aussi faire de la psychologie. Je vais aller assez vite sur mon parcours. J'ai passé des diplômes dans le football, dans le pilates. Le football, c'est pour un peu comprendre le discours des coachs. Le pilates, c'est plus pour mon travail au quotidien avec les joueurs. Une certification Action Tech, donc j'étais un peu plus loin, qui est en cours. Après, par la suite, j'ai passé une formation KickSense à l'AS Monaco, qui était demandée par Grégory Six et qui, lui, est orienté plutôt business, donc sur la partie gestion de data. Ce qui est quotidien de beaucoup plus de monde dans la salle que de sport. C'est la gestion des boutiques, la gérance de l'argent, l'année des etc. Et des situations qui sont surtout sur la boutique. Et par la suite, donc, cette année, comme je me suis retrouvé sans club, malheureusement pour moi, j'ai entrepris, plutôt que de me fournir tous, de faire des formations et le maximum de formations. Et donc, j'ai commencé par faire une utilisation, programmer une fois vendredi de Coursera, qui était une introduction au Python. Et ensuite, j'ai passé la formation qu'on peut trouver sur YouTube de Power BI, qui était sur Linux et qui est gratuite. Ça prend un peu de temps, mais j'avais que ça à faire, en plus de chercher du boulot. Et par la suite, j'ai pas même passé le cap, j'ai acheté une formation sur le wagon, peut-être que vous connaissez, pour devenir data scientist. C'est pas mon objectif, je ne suis pas technicien, j'ai pas envie d'être devenu technicien de la data visualisation et de la data science, mais mon objectif, c'est dans le futur de travailler avec des personnes
et de comprendre comment eux fonctionnent. Donc, si je veux comprendre comment ils fonctionnent, je me suis formé moi-même pour parler leur langage. Et en parallèle, je suis en train de finaliser donc, un master ISBAE. Donc, j'étais un petit peu occupé cette année. Donc, juste pour vous donner un peu le contexte du métier de comparateur physique ou de responsable de la performance, il y a différents postes qui sont plus ou moins proches du terrain. Le comparateur physique, qui lui est plutôt sur le terrain, à qui on va donner des informations. Le responsable de la performance, ça c'était mon domaine, c'était mon travail à l'AS Monaco et avant au Paris Saint-Germain. Et après, il y a plus la partie data science qui elle est complètement au bureau, même si j'ai un aide data scientist sur le terrain, donc il ait conscience aussi de l'implication qu'il avait au sein de l'effectif, parce que j'ai voulu l'intégrer vraiment au staff. Le staff performance, je le vois plutôt comme ça, c'était notre idée à Giovanni. C'était de dire qu'on devait être un peu la NASA, donc c'était de trouver des nouvelles choses, faire des choses un peu innovantes, et l'utilisation de la data science était assez innovante dans le milieu du football. J'ai discuté avec des personnes justement du milieu, juste pour information, peut-être que ça peut vous surprendre. Dans le football, des DSI, déjà dans les clubs de foot pro, c'est assez rare, et après des DSI qui vont sur le sportif. À ma connaissance, je pense qu'il n'y a que au Paris Saint-Germain où il y a un DSI qui va vraiment s'intéresser au sportif. Je ne veux pas dire bêtises, je prends vraiment ça avec des pincettes. Et sinon, c'est plutôt sur la partie business ou la partie gestion de la data. Mais le sportif est un peu laissé de son côté. Donc, on avait une idée un peu différente avec Grégory. Et donc, pour vous expliquer un peu les problématiques de chaque métier, donc, la préparation physique, l'objectif, c'est de développer des qualités physique, l'endurance, la force, la vitesse, la mobilité, donc la souplesse. Et on réalise des tests. Donc les mesures, effectivement, il y en a dans notre travail. La force, donc, c'est des charges en musculation, si on travaille avec de la musculation, des performances de saut, on peut mesurer avec des cellules photoélectriques dans le sol. L'endurance, des tests de course, je ne sais pas, pour les plus jeunes, peut-être que ça va leur parler, des dics qu'on avait à l'école. Pour les plus vieux, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas les dics à ce moment-là. Les tests de course intermittents, etc. Ouais. Les vitesses, donc c'est des cellules de vitesse, donc des cellules photoélectriques qui donnent un temps, comme on voit à la télé, les chronos des athlètes, on a le temps à 10 mètres, à 5 mètres, à 15 mètres, par mètre, etc. La vitesse de réaction qu'on peut obtenir avec différents moyens. Et enfin, la mobilité, on peut mesurer des amplitudes articulaires et faire des reportings. Des mobilités isolées, un étirement de mollet, quelle angle il a, et des synergies, type une fente, notamment, on va mesurer, mais en fait, on ne mesure pas qu'un muscle, on mesure tout un ensemble de chaînes. Donc, mon rôle en tant que responsable de la performance, c'était de planifier le travail, la charge de travail, les cycles et potentiellement les tests. J'avais pris l'habitude à Paris de déléguer un préparateur physique qui, lui, était plus sur cette partie-là. Et qui devait, en gros, dans la saison, définir quand est-ce qu'il fallait qu'on fasse les tests. J'en parle parce qu'en plus, il écoute ce soir. Je devais aussi manager donc, un staff, et le staff essentiellement composé de préparateurs physiques, mais par la suite, comme je vous ai dit, on a recruté d'autres personnes. Et mon travail, la partie qui me prenait le plus de temps, c'était la lecture des données d'entraînement, la diffusion d'informations relatives aux données d'entraînement et aux matchs. Et après, forcément, dans ce métier-là, il y a une collaboration avec divers services sportifs ou administratifs. Et puis après, on a encore une fois beaucoup de choses à faire, mais non, la recherche de nouveaux moyens de travail. Et c'est là-dessus qu'on est parti avec, pour prendre la personne, avec déjà mon directeur Bertrand Rosdeau à l'époque et aussi Grégory Six. Donc le constat, c'est que par le passé, je dis jeu, mais j'aurais pu plutôt dire par mon coup, collecter une trentaine de données en gros par joueur par saison. Donc on peut se dire que c'est assez peu. Et puis c'était beaucoup du coup parfois entre guillemets si on faisait une séance de muscu, enfin un test de muscu si on faisait de la musculation. J'ai changé un peu de méthodologie, mais à l'époque on fait un test à l'instant T, on utilise les valeurs du test et après on rechange, donc on réévalue les données au fur et à mesure. Quand tu dis données, c'est un KPI en fait. Oui. Un KPI. Oui. Ouais. Ensuite, pour information, on arrivait à un peu plus de data. Donc actuellement, je collecte au jour d'aujourd'hui une centaine de données. Sont plus ou moins statiques. Ce que j'appelle statique, c'est mon prénom, date de naissance, ça ne change jamais. Mais après, on a la taille qu'on va venir prendre plusieurs fois dans l'année, le poids qu'on prend assez régulièrement également. Par contre, la vitesse, la mobilité, la force sont des informations qui vont venir
3, 2, 3, 4 fois dans l'année maximum. Donc du coup, c'est des données qui changent très, très peu souvent. Et en revanche, on a des données qui peuvent découler d'autres systèmes. Là, je prends l'exemple de les GPS, qui sont beaucoup plus dynamiques. Et pour chaque joueur, c'est une centaine de données par jour. Si je vais trop vite, le bonhomme, avec moi, pendant sa problème. Et l'avenir, pour l'interrogation, entre guillemets, c'est. Il y a beaucoup de data qui arrivent. Donc, comme je disais, il y a les CLB du test, l'autodjump, quand même peut-être de détente. J'ai eu des marques, mais ce n'est pas le but de. Je ne suis pas commercial. Donc, c'est juste les systèmes que j'ai utilisés. Des analyses vidéo pour récupérer la donnée vidéo, comptage de nombre de touches, etc. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on utilise des GPS et des cardio. Ça, c'est la marque que j'utilise pour les chevaux également. Les systèmes qu'on utilisait de mesure de la vitesse de réaction. Il y en a un, mais il y en a d'autres. Aussi, le Octa, c'est un peu plus connu. C'est ce qu'il utilisait généralement pour les. Ouais. C'est quelqu'un qui a le système Octa, qui est un peu plus connu parce que c'est utilisé dans l'équipe, c'est utilisé par Canal+, etc. Donc, il donne beaucoup de statistiques. Et puis, en fait, il donne tellement de statistiques que. Power BI, j'ai fait des essais et c'est vraiment pas mal et c'est vraiment utile pour récupérer des informations pertinentes plutôt que de la data en table. Après, il y a d'autres moyens qui sont en train d'arriver. En suivi du sommeil, c'est un truc tout bête, mais au jour d'aujourd'hui, on demandait aux joueurs comment tu te sens, est-ce que tu as bien dormi. On serrait la main, on posait des questions, on notait. Et maintenant, il y a des outils qui commencent à arriver et qui passent par des plateformes. Donc, les plateformes dit la possibilité de travailler avec des bases de données qu'on a dans les clubs. Et on a commencé à discuter avec la Green, une société française, et on a commencé à travailler sur le fait de pouvoir récupérer des données avant que les joueurs arrivent. Ils portent des casques pour dormir, on a la data, et on arrive, on sait s'ils ont vraiment bien dormi ou pas. Et puis demain, des shorts et des t-shirts connectés, ça existe déjà plus ou moins, c'est en train de s'améliorer, avec le cardio directement intégré, les capteurs de pression sur le t-shirt ou les capteurs de pression même sans dire. Des capteurs de sueur, le FG, des pneumatiques, pardon, et puis des vrais capteurs de fatigue. Pour info, on peut détecter la fatigue d'un joueur en fonction de la dilatation de la pupille. C'est assez simple maintenant à faire. Ça paraît compliqué, mais c'est assez simple à faire. Mais pareil, ça renvoie des datas. Et du coup, encore des datas à traiter. Et tout ça pour en faire. Pour l'instant, on les collecte et puis on verra ce que ça donnera demain. Le constat, c'est qu'on a un plus grand volume de données qui sont de plus en plus croissants. Je ne vais pas parler de big data avec Grégory Six. À l'époque, on s'amusait à dire que c'est du small data. Et c'est devenu un terme un peu plus à la mode. On avait besoin d'avance un petit peu. On se foutait un peu de notre tronche. Mais c'est vraiment devenu de l'actualité. C'est de dire qu'avec peu de données, il faut qu'on fasse quelque chose de concret. Et donc là, l'illustration que je vais vous montrer, c'est ce qui nous fournit le plus. C'est l'utilisation des GPS. Donc en gros, comme je disais, c'est 100 colonnes par jour et par joueur. Ça fait 26 400 données par saison pour un joueur. Pour un centre de formation composé en gros de 65 joueurs, plus ou moins, il va y avoir 60, 70, ça fait en gros 172 000, je vais relire, données par saison. Et puis en fait, on se rend compte rapidement quand on utilise Excel, je pense que vous êtes tous convaincus de ça, avec le Power BI, c'est que. Moi, en tout cas, avec l'utilisation et les filtres que je pouvais mettre, j'arrivais rapidement à une limite d'usage. Et quand on clique à la moitié de saison sur le filtre, ça met 45 secondes à se mettre à jour et qu'on pose une question, qu'on fait l'erreur de bouger la souris ou d'appuyer sur une autre touche, ça repart pour 45 secondes. Je pense que, je ne sais pas si ça vous parle, mais je ne serais pas surpris que oui. Donc, du coup, les problématiques, on en tient des fonds et on s'est dit qu'il était nécessaire de renforcer nos compétences. Dans le traitement de la data. Et donc, du coup, après une discussion avec mon directeur respectif, Bertrand Roseau, et pour mon côté sur la partie sportive, et Félicien Avant pour la partie administrative qui était responsable de Grégory, et aussi le directeur général adjoint qui nous avait aussi accordé la confiance, parce que c'était un des premiers trucs que j'ai demandé en arrivant à l'AS Monaco. C'était en 2016, une idée que j'avais déjà en 2015, mais en 2016, il a dit clairement qu'il me faut quelqu'un qui m'aide à gérer les data, parce que j'ai des compétences, mais je connais mes limites. Donc, si on connaît ses limites, c'est plus facile d'aller chercher quelqu'un qu'on a beaucoup moins de temps. Et on a récupéré donc, Vichon, qui venait plus lui, du monde de la statistique et un peu du bancaire aussi. Et un de ses hobbies, entre guillemets, c'était d'analyser la fraude bancaire. On savait très bien que ça, mais on pouvait essayer de traquer les fraudeurs dans le jeu.
Petite info importante, qui n'est pas anodine, des informations que je vais vous montrer, ce sont des illustrations. Elles sont utilisées, enfin, j'ai utilisé des data qui correspondent à ce qu'on peut retrouver sur les entraînements ou les matchs. Donc, j'ai généré sous Excel. Ce n'est pas des données qui sont issues de joueurs, donc c'est pour ça qu'il y a des moments où vous verrez des grosses rotations, des grosses différences. Mais c'est parce que c'est juste de la donnée d'illustration. Et puis après, on a aussi utilisé des data qui viennent de la trou derrière les UOP, c'est l'écurie de Giovanni et Carlo Giovanni, pour ceux qui connaissent. Et par contre, les emails que j'ai utilisés pour illustrer, ils sont bons. C'est juste pour vous dire également qu'il y a des bonnes données qui ont été utilisées. Est-ce que je vais trop vite? Je pense que oui, ma compagne de penser que oui. Alors, juste l'illustration des données, c'est un des enjeux majeurs de l'utilisation de la data visualisation. Bah simplement parce qu'il faut rendre sexy les choses. Donc, quand on travaille en staff, on n'est pas le seul à regarder son écran. J'ai commencé à travailler avec des tables. Moi, ça ne me posait aucun problème de regarder des tables. J'étais capable d'analyser des tables et ça me parlait. Mais en même temps, j'étais au quotidien à les regarder. Et quand j'allais voir un entraîneur ou un joueur, il dit ah, tiens, t'as pas bien travaillé, tous les joueurs, t'as pas bien travaillé, mais comment je peux comparer quand ils regardent que des chiffres? Et la discussion est vite. Tu peux dire ça à tous les clients qui sont en train de se faire. C'est le problème inverse. C'est des visuels sympas, mais à la fin, on veut un bon petit tableau. Ouais, mais quand on parle à des gamins de 15 ans, c'est 15-16 ans, il y a vraiment, il faut trouver du visuel. Donc, il faut gamifier un petit peu tout ça. Donc, du coup, l'utilisation vraiment au quotidien des data, ça m'a demandé un peu de réflexion et de faire des mots visuels. Et comme je dis, les cibles, enfin, ça nous a demandé, j'ai dit eux, c'est nous. Les cibles sont les joueurs, le directeur, forcément, qui lui va demander des informations. Comment on a progressé, est-ce qu'on a progressé ou pas? Si je dis oui, je pense que oui. Allez, on montre-moi. Donc, il faut être capable de sortir un visuel qui soit parlant, qui soit rapide à comprendre. Parce qu'il n'a pas forcément envie de faire confiance à regarder les tables, même s'il est capable de les comprendre. Les entraîneurs, les préparateurs, au quotidien, il faut qu'on leur montre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas bien fait, pas bien fait. Et la direction des clubs, simplement. Donc, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par les données autour des joueurs. Et puis, pour le coup, là, les propriétaires éthiens, c'est carrément le coup. C'est que j'ai guidé les tableaux et au quotidien, je fais des mises à jour de cloud et puis dans le quotidien, l'entraîneur, enfin, le responsable qui est en Italie, il voit les chevaux qui s'entraînent à Chantilly. Et moi qui suis sur la région de Monaco, je traite les data, donc ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire les choses à distance maintenant. Donc, il n'y a pas le haut. Donc en gros, c'est la meilleure performance à gauche, ce sont de l'illustration, la meilleure performance à droite, et en fait, ce qu'on peut présenter, c'est sur un match, on va comparer ta meilleure perf à la perf du match. Est-ce que c'est bien, pas bien? Et puis après, on a toutes les distances associées. En fait, j'ai dû masquer un peu, parce que ça reste un peu secret, comme on est sur YouTube. Je ne vais pas non plus donner tous mes fiches. La vitesse max atteinte par le joueur, ce que ça représente, les puissances max développées. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça a une relation entre la force et la vitesse. Comme je vous l'ai dit, pour vérifier, pour un joueur, c'est assez facile de comprendre. La moyenne, sa perf maximum, la moyenne d'équipe en jaune et sa perf du match par exemple. Le joueur qui a joué 94 minutes, dès qu'il était dans la partie rouge, on peut lui indiquer que tu as été plutôt moins bon que ce que tu as fait d'habitude, par contre tu étais au-dessus de la moyenne d'équipe. La moyenne en jaune, c'est ça? C'est ça, la moyenne en jaune, la performance du joueur et par contre par rapport à sa performance max, elle est en rouge. Et la performance max, elle est en bleu. Donc, du coup, ça permet aux gens de plus vite comprendre les choses. C'est tout bête, et j'ai demandé une petite réflexion, et c'est FIFA qui nous a donné la solution. Ça, c'est un graphique que tu as fait avec mes genoux dans Power BI. Voilà. Et c'est un custom view, alors, c'est ça? C'est un radar de chart. Qui n'est pas natif. Non, il faut aller chercher, mais qui est disponible. Et c'est vraiment tout bête, ça pour les gamins, ça marche du feu de Dieu. Ça aide à la décision. Ça nous a aidé dans certaines décisions. Au quotidien, ça permet de réaliser un suivi de performance des athlètes, forcément, comme vous, quand vous suivez vos données au quotidien. Prévoir des séances en fonction du suivi des données qu'on a récupérées. On peut anticiper la séance du lendemain. On planifie. On a une donnée moyenne qu'on peut donner. On voit ce qui se passe. On dit attention, parce que demain, lui, il va faire un peu plus, un peu trop.
Ça aide l'entraîneur aussi à connaître le niveau de forme de ses joueurs. Et si le joueur, depuis plusieurs semaines, est en dessous, ou alors s'il revient une blessure et qu'il n'a pas été capable de faire beaucoup de séances, on peut lui montrer, bah, tiens, il en est à ce niveau-là, à ce point-là, donc il faudrait peut-être le faire jouer tant de temps ou tant de temps. Après, il est maître du jeu, hein. En plus de l'arbitre, c'est lui qui est maître du jeu. Et ça permet aussi d'illustrer l'évolution dans le temps, de bon entraînement et le joueur pour la direction. Quand à la fin de la saison, il faut décider, le joueur, on garde pas, un contrat ou pas de contrat, ça peut potentiellement dans le futur, après, ça dépend comment on fonctionne avec les acteurs, mais ça aide à la décision. Pour un cheval, alors ça c'est pour un cheval. Donc le suivi quotidien, c'est oublié, donc, en gros, là on a ce qui a été effectué par le joueur, le graphe. Tout est dynamique, j'ai mis après une table pour BI, juste pour illustrer, c'est sur un type de séance, le joueur a fait tel volume d'entraînement, il avait un objectif, c'est l'objectif pour moi, et son objectif de semaine, il est là-haut, donc son objectif, c'est remplir sa semaine au fur et à mesure des séances. Et donc, dans le suivi hebdomadaire ou plus hebdomadaire, donc ça nous donne ça. Mais en gros, ça peut donner ça. Là, par exemple, on voit la semaine, et on se dit, bah, tiens, pourquoi certains n'attendent pas la semaine. Et si on clique, donc là-haut, rouge, le rouge, c'est match, alors ça montre que les mecs qui n'attendent pas généralement leur match, soit ils n'ont pas participé à l'entraînement, soit ils n'ont pas participé au match. Et ça permet effectivement de dire, ah bah tiens, lui, on fasse gaffe sur les temps de jeu et d'indiquer les informations à l'entraîneur, au directeur, et puis le cas échéant, de compenser les manques qu'il peut y avoir pour le joueur. Un suivi trimestriel, en fait, vous avez dit qu'il y avait des données qui allaient me faire bizarre. Donc, c'est une équipe qui progresse et une équipe qui ne progresse pas. On peut avoir une étude, et puis surtout un visuel qui sont très parlants à la direction, en disant, bah, tiens, fais-moi une analyse de cette équipe-là sur les deux dernières années et cette équipe-là sur les deux dernières années pour voir comment ça se passe. Et puis, on voit que, bah, pratiquement, les mecs ont commencé à bouger. C'est quoi la plus mesure? Là, c'est sur les volumes. C'est les intensités moyennes d'entraînement. En gros, c'est la moyenne des intensités réalisées pendant les matchs. Enfin, pas pendant l'entraînement, pendant les matchs. Donc, c'est exprimé en kilojoules. Alors, les joules, c'est ce qu'on utilise, ce que j'utilise moi, pour parler avec les entraîneurs. En fait, c'est une unité qui a l'avantage de regrouper la vitesse, la distance, les accélérations, les décélérations, etc. Au début, quand je parlais avec les entraîneurs et avec les compas, je parlais en distance, parce que le GPS, ça donne la distance. Et après, on est venu implémenter une société avec laquelle on bossait, est venu implémenter des énergies, ce qui m'a permis de parler avec une unité qui a regroupé plein de choses. Parce que je parlais de distance, après je parlais, alors il faut 1000 mètres, plus 5 accélérations, 10 décélérations, 150 mètres de sprint. Vous débrouillez, mais il faut que ça rentre dans le jeu. Et là, on me regardait en me disant, mais moi, je ne peux pas faire ça comme ça. Donc du coup, il a fallu trouver un moyen d'expression assez simple. Il n'y avait pas exprimé au départ. C'est par équipe. Pardon ? Oui, en gros, c'est équipe A et équipe B. La ligne noire, c'est la tendance globale du groupe. C'est le quantité noir. Et en fait, c'est mal défini, mais c'est l'ensemble des joueurs qui sont dans chaque barre. Ça, c'est clair ? C'est pour ça qu'on peut voir l'évolution moyenne. C'est bon ? C'est pas très clair. Alors, donc une aide à la projection, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu oublié ma suite. L'apport de la data science, c'était pas uniquement de créer des visuels, forcément. Ça aurait été un peu réducteur, j'aurais dû prendre juste un graphique. On lui a demandé de faire des choses un peu innovantes, donc de créer les algorithmes. On suit du joueur, la projection du potentiel de joueur. On était en train de travailler sur certaines choses. Et justement, donc, comme je disais, c'est décider en fonction de certaines performances de faire courir un cheval sur une distance donnée ou anticiper des surprises. En disant, bah tiens, je vous donne l'exemple qu'on a eu.
donc dans l'expression d'un potentiel physique, on avait un cheval et c'est affairé. Je ne connaissais pas du tout quel était le potentiel, enfin la génétique du cheval, parce qu'en équitation, ça marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire, le cheval, il va faire sprinter, il deviendra sprinter, etc., etc. Et on a un cheval, à un moment donné, il a dû faire 1500 mètres, parce qu'il était inscrit sur ces compétitions-là. Et j'ai discuté avec le propriétaire, et de son côté, lui, il discutait aussi avec l'entraîneur. Et moi, j'ai dit, le cheval, je pense qu'il a 1200 mètres, c'est le maximum qu'il peut faire. Donc, quand on m'a dit, il va faire 1000 mètres, c'est top. Il va être pas mal. Et après, on me rappelle, il me dit, ah non, finalement, c'est 1500. Ah, on va voir. Après, c'est la science du jockey aussi, parce que le jockey est important. Et à 1200 mètres, il a pété. Et le cheval a pété. Je ne dis pas que j'ai réussi à deviner ce qu'il était capable de faire un cheval, mais bon, avec l'utilisation des datas, on a réussi à prédire un truc, plus ou moins, parce que c'était les données d'entraînement qui voulaient ça. Et au final, le cheval, il a fini dans la zaille. Donc, il est parti au polo, mais il ne fait plus des courses de 1500 mètres. Il est parti plutôt sur du polo. Mais c'était vraiment une blague, hein, pour le coup, des zaille, excusez-moi. La comparaison potentielle, on a aussi ce qu'on utilise pour les chevaux. Donc, c'est un peu plus terrain, un cheval. On va comparer. On a un cheval qui était très performant. On va venir comparer les autres chevaux à ce cheval-là. Ça, c'est les milieux que vous connaissez assez facilement. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on. Comme on a voulu construire notre projet avec Grégory, Vigneau, la direction, etc., c'est, on a essayé de. Greg a essayé d'aller chercher lui. Le mec est plutôt. Science, donc c'était les genoux, de réunir la personne qui était plutôt experte, c'était moi visiblement. Et puis après, l'idée c'était d'aller chercher quelqu'un qui était plus maths, mais bon, on a eu la chance, c'était les genoux, elle avait un gros bol de ventre dans les maths. Donc du coup, on a réussi à faire. On n'a pas atteint la licorne non plus, mais l'objectif c'est justement d'arriver sur des choses un peu innovantes. Et dans le sport, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a porté était assez innovant. Je ne veux pas nous non plus que nous faire des fleurs. Mais beaucoup, il faut. Et donc, bon, malgré tout, on a beau tout préparer, être le plus près possible, si on fait des conneries, après, on n'est pas sûr de réussir à toujours bien faire les choses, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est juste qu'on peut se préparer à faire la plus belle photo, si on fait une connerie, on dérape. Enfin, les autres nous dérapent sur la tronche. Je vous remercie de votre attention. Oui, complètement. Est-ce que ça peut amener l'entraîneur à prendre une partie de ses données comme déterminant pour... Je comprends, ça peut donner des niveaux de forme, mais pas des niveaux de compétences. C'est, alors, là-dessus, il y a eu des histoires avec le rugby, je ne sais pas si vous avez suivi, dans le rugby, à une époque, ils ont utilisé énormément les data pour dire tiens, le joueur il est en train de surperformer, faire attention, etc. Ils ont fait ça sur la Coupe du Monde il y a 4 ans, il y avait une anecdote, c'est qu'ils avaient un joueur, donc ils avaient en plus des données en temps réel, sur je ne sais plus quel joueur exactement, et il était en train de surperformer. Ils ont dit, on le sort parce qu'il va se péter. Mais seulement, il y a un moment donné, on les entraîne pourquoi ? Pour qu'ils soient capables de surperformer. Donc du coup, moi, ma limite, elle est le jour de match, de dire, je vous donne une information, mais si vous décidez de le faire jouer, c'est vous qui décidez. C'est comme l'entraîneur qui est maître du jeu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, exactement, parce qu'il y a un joueur qui... Je prends l'exemple. Il y a un joueur qui est pété, mais qui est hyper important, qui était blessé, qui est hyper important pour un match particulier. Vous prenez la décision de le faire jouer, simplement parce que ce joueur-là peut faire la différence. Même s'il marche. Je prends l'exemple de Messi contre nous, quand j'étais au PSG avec les pros, saison 2012-2013. Il se blesse contre nous à l'aller. Il y a 1-0 pour nous au Camp Nou. Ils le font rentrer. Il marche tout match. Il est décisif. C'est le préparateur. Il ne va pas dire au responsable de la perf, il ne va pas dire à l'entraîneur. C'est pas rentrer. Et j'ai d'autres exemples de ce type-là. Exactement. Moi, il y a des fois où j'ai dit à l'entraîneur excuse-moi, je pense que lui, il faudrait faire attention. Il y a une blessure, c'est un peu limite. Mais bon, je fais des erreurs. Je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, moi je fais attention, l'entraîneur il le fait jouer, le gamin il marque. Ça reste un sport. Par contre, il y a des fois où j'utilisais les data, certifié l'entraîneur, et que le gamin était capable de jouer,
et il me suivait ou il ne suivait pas. Sur le coup, là, sur l'exemple que j'ai en tête, le gamin a joué, il a vu tout le match, l'entraîneur m'a même félicité à la fin du match. Comme tu as dit, c'est une aide à la décision. C'est exactement. Et c'est vrai d'ailleurs que dans le sport, c'est toujours un système de données d'information qui va nous aider à faire un choix, mais le choix, il est utile. Enfin, ma question, c'était est-ce que ces données-là, elles sont être pertinentes pour la préparation? Ah oui. Ou est-ce qu'elles peuvent aussi avoir une incidence dans le cadre même de la compétition en fait? Ça dépend quel type d'entraîneur on a fait de soi. S'il y a des entraîneurs qui sont très scientifiques et qui sont très dans le préparation physique et qui vont venir regarder après chaque séance ce que les joueurs ont fait, où ils en sont et manager. Mais ça, après, c'est le rôle. Moi, quand j'étais au Paris Saint-Germain avec Giovanni Mauri, c'était le rôle de Giovanni Mauri de leur montrer cette information-là. Après, aussi, il y a une partie compétition. Il y avait une chute d'abord. Il y a des suivis, par exemple, après les matchs. Forcément, il fallait pas exceptionnel pour les matchs. Ouais, si elle est suivie, elle est à la forme. Après match. Mais de quel type? Des questionnaires? Des questionnaires? Oui, non, mais des questionnaires, différentes mesures. Je ne sais pas. Mais toutes les mesures ont été pendant l'entraînement. Ouais. Ça existe. Après, moi, je ne les utilise pas forcément. Je sais très bien qu'en J+1, il y a un club, enfin, même en J+1, tous les joueurs en entraînement, il y a un club anglais. Assez connu, et qui fait systématiquement ce qu'on appelle un drop jump. Donc en fait, ils font partir un joueur de 30 cm de haut, il regarde la réaction au sol, ils disent qu'ils s'entraînent, ils ne s'entraînent pas. Parce que c'est un test qui est neuromusculaire et ça détermine un peu l'état de forme, parce qu'il y a des publications qui étaient faites là-dessus. Et il y a un de leurs joueurs, qui était la vedette, qui lui, quand il ne voulait pas s'entraîner, il tombait, il prenait un peu de temps au sol, il remontait, il disait je ne peux pas m'entraîner. Donc après, c'est pour ça qu'il y a des fois où on utilise un peu les data. Et moi, mon objectif dans mon travail, c'est d'essayer de supprimer le subjectif et faire que de l'objectif. Donc, ça, c'est une question qui n'est pas le coup du drop jump. C'est une question qui est posée aux joueurs, même si c'est un résultat qui est physique, c'est une question qu'on pose aux joueurs. Après, c'est sûr que le plus simple, ce serait de faire des relevés de salive. Et par fait, ça fait de la data. Mais au moins, c'est un peu plus avec les marqueurs salivaires ou sans rien. Mais là, pour le coup, je prends l'exemple de marqueurs salivaires. Ce serait beaucoup plus pertinent que juste de faire des exercices ou de poser une question à un joueur. Mais par contre, ça existe et du coup, je sais qu'il y a des clubs qui ont beaucoup plus de moyens que les WT, parce que j'étais essentiellement sur la formation, et eux, ils le font. Je prends les clubs de Tottenham, ils ont des accords avec l'IRBA, l'Institut de recherche de l'handicap des armées, et eux, ils ont quelqu'un qui travaille là-bas en collaboration et ils allaient dessus. Donc, pas d'un club qui, en final, est champion. Pardon? Alors non, parce que ça c'est une donnée tactique. Parce que là c'est une analyse tactique. Ça c'est le boulot de l'entraîneur. Pour le coup, je suis désolé. Mais par contre, ça peut. Quand on voit les données qu'on peut extraire de ça et sur vraiment le volume de données. Je pense que ça, un entraîneur qui utilise Power BI, il pourrait bien le faire. Hein? Ah oui, c'est quasi sûr. C'est pareil, il y a au rugby, je ne sais plus quelle fédération faisait ça, il regardait l'influence du joueur sur le match. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé à un moment donné le faire dans le foot, mais c'est tellement compliqué et tellement pas le temps. Mais c'était en gros, c'est de dire, un joueur qui est sur le terrain, quel est le résultat quand il est sur le terrain, quand il fait tout le match, quel est le résultat quand il est entrant, quand il est sortant, etc. Et le rugby, il y a une nation qui avait fait ça. Ah bah par contre la météo, oui. La météo a une influence sur les blessures, etc. Le relevé météo, je n'ai pas les outils que tu pouvais utiliser ou qu'on pouvait utiliser que j'ai en tête. Hein. Mais effectivement, la sonde météo, la pression atmosphérique, le taux d'humidité, c'est hyper important. Et ça a une influence sur les blessures. Il y avait une autre question. Ouais. Alors, je ne vais pas l'étaler parce que ce n'est pas mon but, mais j'ai vraiment eu énormément de mal parce que pour moi, ce n'était pas assez intuitif. C'est. Notre XSense ? Ouais. Non, j'exagère. Mais pour moi, à mon niveau, je parle. Encore une fois, je parle de mon niveau. J'étais beaucoup plus facile à apprendre Power BI que ClickSense. ClickSense, il faut faire énormément de travail en amont pour pouvoir commencer à avoir des visuels sympas.
c'est vraiment le retour que j'ai. Alors peut-être que si j'avais commencé par Power BI et que j'étais tombé sur la Quick Sense, ça aurait peut-être été différent. Je ne peux pas dire, mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Pour le coup, j'ai vraiment commencé par ça et j'ai vraiment nagé. Donc du coup, c'est... j'ai nagé pour vous dire à quel point on a insisté avec Grégory, c'est que pendant un an, j'ai viré tous mes fichiers Excel qui me permettaient de faire du suivi classique comme j'avais l'habitude de faire. J'ai vraiment voulu fonctionner avec QuickSense. Et j'ai vraiment passé du temps dessus. Mais dès qu'il y avait un changement dans les intitulés, dans les labels, QuickSense plantait. Power BI, c'est assez facile de changer ça. Le coup des labels qui changeaient, ça m'a beaucoup tué. Est-ce que c'est... C'est pas pour les tailler, hein, vraiment. Est-ce que c'est possible pour les dépenser ou pour les... Ouais, ça peut être utilisé, mais c'est encore une fois, ça dépend de quel niveau. C'est parce que déjà, c'est pareil, c'est quand vous recrutez un joueur, il va pas mettre un GPS pour vous pendant toute la saison. Par contre, on peut très bien imaginer sur les statistiques de match, avoir des indicateurs et dire, bah, tiens, moi, pour moi, un défenseur, c'est ça. On fait des défis, en fait. C'est pour ça que vous avez observé que c'est des données qui peuvent être. Ouais, j'ai fait des gens. Pour leur recrutement. Oui, j'ai utilisé des datas de FIFA. Ils sont sur Internet, je les intègre à Power BI, j'ai fait des marqueurs avec des slicers. Et voilà, pour moi, j'ai discuté avec un responsable de recrutement, je lui ai demandé qu'est-ce que pour toi un bon défenseur, il a mis ses slicers, il doit faire ça. Et on a une liste de noms, des sorties de joueurs FIFA, certes, mais ça lui a montré l'utilisation qu'on pouvait faire avec des datas. Il y a un film sur ça, parce qu'il y a des. Ouais, Moneyball. Il y a dans les sports US, il y a énormément d'analyses de données qui sont faites, il y a énormément de données. Et il y a un entraîneur, un coach, qui était un peu dans les données, qui a fait des modèles pour analyser et regarder les joueurs parmi ceux qui étaient en petit budget, qui performaient mieux. Il n'a pas fait à partir de ça, il y a une. Ouais, non, il n'a pas gagné World Size. Il a été sorti comme World Size. 12, le bémol que j'allais rajouter à ça, après, ça reste que de la formation. Il ne faut pas non plus penser que grâce à de la data, on peut recruter dans le football. Il y a pas mal d'exemples. Dans le tennis, oui. Le TDR avait une analyse de smash de Nadal. C'est ce que j'avais pris comme exemple. Exactement. Et que l'échange prenait peut-être plus de 10 ou de perdre dans 80% des cas. Et du coup, l'analyse de la donnée lui a montré qu'il soit plus offensif, qu'il fasse plus de fautes directes et qu'il raccourcisse les échanges parce que sur la durée, il ne tenait pas en fait. Et ça, il a modifié son comportement de jeu grâce à la data. Et c'est et juste deux exemples qui sont complètement contradictoires. Donc, on parlait de Mannschaft quand ils ont été champions du monde en 2014. Ouais, mais. En 2014, il y a le statisticien de la Manja, qui était mis en point d'avant, qui s'est fait une collaboration avec l'université de Cologne. Et à la fin, ils sont champions du monde parce qu'ils ont fait l'équivalent de 3 années, je crois, de travail avec l'université de Cologne, récupérer toutes les datas des équipes potentiellement qu'ils pouvaient affronter. Et après, ils ont donné des informations au coach, donc à Joël Gimleu. Et à la fin de la Coupe du Monde, champion du monde, et le statisticien de la Manja a dit j'ai été l'homme le plus important de la Manja. Comment ? Et en 2018, les statistiques donnaient le Brésil champion du monde et la Mannschaft en finale. Et justement, j'ai eu un avec Bichou, qui me dit bah, tu vas voir, ça va être ça. Moi, je lui dis voilà, pour moi, ce sera la France qui sera champion du monde. Et c'est pas par hasard. En fait, moi, j'utilise d'autres données. C'était le volume de matchs disputés par saison à haut niveau. Et les Français disputent moins de matchs de très haute intensité que d'autres nations. Après, j'ai pas la science infuse. Mais c'était juste un truc que je regardais. C'était le nombre de matchs à très haute intensité. Et les joueurs qui jouent en Espagne, les joueurs qui jouent qui sont au Brésil, dans la sélection, qui jouent dans des grosses équipes, jouent plus de matchs à très haute intensité que nos joueurs, malheureusement. En tout cas, ça se fait. Je ne dis pas qu'on est champion du monde, ça. Il y a aussi des très bons joueurs. Il y a un phénomène, voire plus, et puis il y a un très bon entraîneur. Enfin, un sélectionneur. Moi, je fais. C'est une aide à la décision. Ouais, c'est plus fiable que Paul Le Coupe, ouais. Qui est décédé. Vous pensez que ça peut avoir un effet bizarre ? L'auto-sportif ? Ouais, je préfère ce serait une blague, parce que là. J'ai une question sur qu'est-ce qu'il y a. Attention, c'est mon avis. Hein, c'est... Et vous partagez. Ouais, oui, exactement. Si on ne serait pas là, si vous ne voulez pas partager les choses. Mais
J'ai une question sur ce qui est industrialisé. Donc, au final, on a plein de données qui arrivent à l'indicateur. J'imagine que c'est des exports un peu éparses. Aujourd'hui, c'est quand tu as besoin d'une étude, tu vas piocher tes éléments, tu crées un tableau blanc, ou est-ce que. Une étude les rapports qu'on a vus, ou est-ce que tout est industrialisé, tu appuies sur un bouton, les capteurs arrivent. On sent que t'es conscient. Alors, l'objectif, c'était que. Avec Greg, qui a également quitté le club en même temps que nous. Et c'était de faire justement une sorte de good house pour récupérer les data avec via des API, etc. Et puis après, justement, d'automatiser avec Power BI. Quand j'ai fait ma formation sur Power BI, que je connaissais déjà pas trop mal, j'ai découvert des trucs vraiment sympas et beaucoup plus puissants que ce que je croyais. Donc, effectivement, je pense qu'avec Power BI, on peut faire sans problème. D'accord. Et là, c'était plus des. Là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est de l'export Excel. Et qu'on vient rajouter au quotidien sur le fichier Excel. C'est copier-coller, on a une base de données, et on va taper dans la base. C'est vraiment une analyse où tu penses que tu as besoin, tu fais des calculs. Exactement. Mais plus il y a de capteurs, et moi j'aurais la possibilité de faire ces copier-coller, et même si ce ne sera pas le boulot du data scientist, c'est pas d'aller faire des copier-coller. Il y a un peu plus d'expertise que ça, et justement, tout ce qu'on peut automatiser, l'idée c'est d'automatiser. Quoi. Exactement. Quand on en a un bon, nous, Vishnu, pour information, n'était pas si mauvais que ça, parce qu'il est quand même percuté par Facebook. Ouais. Vous commencez à être nombreux en France, au niveau des clubs, à des cellules comme ça. Alors, il y en a de plus en plus qui se montent. Après, je ne peux pas vous donner le fonctionnement, parce que j'en connais certains, enfin, le fonctionnement de certains. Oui, j'en connais. Enfin, on a des congrès. Il y en avait un là, à Paris, je n'ai pas été, parce que j'étais occupé. Mais il y en avait un à Paris où il y a eu une sorte de suivi des performances, où les préparateurs ou les responsables des perfs sont venus pour échanger. Après, il y a une sorte de petit club aussi, un peu comme le club Power BI, où il y a différents clubs dans le monde entier qui se réunissent, il y a une cinquantaine de clubs qui se réunissent à certains endroits, c'est organisé par un trailer, et on échange beaucoup. Puis après, il y a WhatsApp, donc on discute avec les mecs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on fait une conférence, c'est toujours très secret. Mais quand on discute en tête à tête, il y a beaucoup plus de choses qui sortent. Là, je vous ai montré des trucs parce que c'est, comme je vous disais, moi, ça ne me dérange pas de vous présenter des choses en vase clos. Mais quand ça va sortir, je prends un peu plus de précaution parce qu'on est dans une concurrence parce que malgré tout, c'est une niche. Et je suis en train de chercher un club. Mercato, on ne va pas dire ça non plus, mais on discute. Ouais. Opta, c'est une boîte de. Ah non, pas du tout, c'est été racheté par Perform qui est anglais. D'accord. Comment ça se passe l'accès aux données Opta pour un club ? En particulier, c'est. Payant. Pour les clubs. Pour les clubs aussi, ouais. Je ne suis pas commercial. Hein. À la limite, il faut aller sur Internet, appeler Opta, Perform, le groupe Perform. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils récupèrent toutes ces données filmées. Eux, ils ont des analyses vidéo. Ils font de l'analyse vidéo. Et franchement, quand on récupère les raw data, c'est un casse-tête. Et justement, pour BI, pour venir utiliser la base de données qui sont les raw data plus les codes qui ne sont pas ensemble, c'est vraiment pas mal. Quoi, parce que sur le coup, si on regarde juste les raw data, c'est illisible. Et vous mettez à disposition des CSV C'est du XML. Hein j'ai mis le cœur. J'ai mis le cœur. Ouais, non, mais là, c'est un XML. Un CSV, c'est pareil. CSV, un fichier Excel. Mais par contre, je vais juste vous inviter à te rapprocher de chez eux. Je pensais que les clubs, les clubs, il y a les clubs qui sont abonnés. Mais encore une fois, je ne suis pas représenté au plat. Je travaille pas chez eux. Ok. Pas d'autres questions ? Je pense qu'on va conclure. Merci. Merci.